Désir Venesse, laissez-moi dire que dossier KPT avec Oni apprend l'autre dimension, jeudi et jeudi 7 novembre, non? Et vraiment, en plein que l'après là, en pile, moun a posé question, comment et ça finit entre deux têtes exécutives, là. Donc, entre PM Gaïkouni et M. KPT, Monsieur Dame Conseil, yo, pour nous dire bien, parce que, dernière information que m'y là, m'y a posé basse à m'y notre noyau, bah, là, vraiment compliqué, et ceci dit, nous capables d'arriver dans le cap venu là, yo, et vraiment, quelques des situations ce qui pral encore plus compliqué et pral gagner des actions pral poser des dénonciations et qui pral fait entre KPTA et puis Ekoni et pral gagner des décisions pral prend et décisions ça yo li pral vraiment et fragiliser m capable di et situation gagner là ou dis moi ce que li pral augmenter ça gagner là comme situation et surtout avec selon Nations Unies je dis en là yo parle de 700 000 haïtiens regardez bien 700 000 haïtiens et que je dis à bandit et faire déplacer qui de la caillou pendant que et quantité moun cap déplacer qui de la caillou en bas bandit en bas sur bandit alors que outendez que et membre conseil et membre gouvernement y a goumé entre yo parce que besoin changer ministre y a besoin faire ceci y a besoin faire cela pendant ces temps misère souffrance grand groupe haïtien l'a augmenté chaque jour qui passait et m'a connait signe comme ça. Je ne sais pas si ça m'éteint, parce que ça qui arrive, ou même, ou pas en Haïti, ou dis-moi ce que, dans une zone côtoyée, et pas de situation de sécurité, ça. Mais, ouais, dans la région métropolitaine, Port-au-Prince et Pays d'Haïti, gagne un grand goût dans le bloc Sayo. Gagne une misère dans la zone Sayo. Gagne une souffrance dans la zone Sayo. Et personne ne peut imaginer comment que la vie a tellement cher dans la zone Sayo. Parce que, imaginons que, gagne un ensemble de produits, gagne un ensemble de produits, vision qui compte entrer une jeune moune sa yo, faut passer sous nord, faut passer sous sud non, et pas oublier que yo pas qu'à traverser, que l'autre je dis en là, ouais, imaginez comment que la vie a vint chè. Je dis à pour acheter un petit go de dire, ou dire au moins, ou de me dire, faut que bon moyen dans mon, je dis en là, ce n'est pas 3, 4, 5 moune qui vous mettez ensemble pour ta faire un bon manger dans le cas. Elle dit, nous va imaginer ça, et nous pas comprendre ça m'a dit, et nous pas comprendre ça m'a dit en tout. Pendant ces temps, misère, grand goût, souffrance, chômage, et jeunesse a fini désespéré. Si mon yon ap mouye pa pati encore, si mon yon fait malnutrition, parce que yon pas jeune manger, pas gen la souyaye, si mon yon bakal l'école, mon yon souffri en battante, mon yon souffri nan kanyo. Pendant ces temps, deux groupes kamokin, deux groupes vagabonds, deux groupes à tout fait, rete nan te pays ap goumen pour que ce pouvoir, pour que ce poste désir venesse. La situation ensemble rouge, ensemble zone qui a abandonné en dedans pays, y a augmenté. C'est presque chaque jour où j'ai un quartier, où j'ai une zone dans Port-au-Prince, mon apprécié-t-il par rapport avec ça qui a comme information dans l'attaque qui a fait des gangs armés. Une situation qui paraît très difficile, dans la mi-temps, bataille qui gagne entre KPTA, une tête exécutive, avec Primatia qui est deuxième tête qui a voulu pour pouvoir, pendant un pile fois, yo faire quoi priorité, c'est organiser l'élection, établir la sécurité dans le pays. Mais regardez, département de l'Antibonite, département de l'Ouest, ça cap décrire, il montre une pas qu'une volonté, bon côté monde ça aucun ta cap les autorités pour tabli sécurité en dedans pays à l'expression. Gien jusqu'à présent, constat qui a essayé donc fait bon côté. S'il a aucun protecteur citoyen, Renan Edoville, mandat monsieur Rivé dans boutli l'expression. Oui, et protection Renan Edoville, madame Sylvain Lamboukli, qui a pile de, et organise droits humains, et qui a pile secteur dans la société qui déjà levé royaux, pour demander avec KPTA pour changer monsieur. Madame, avancez les yeux. Très bien. Pour demander au moins, comme madame Sylvain Lamboukli, pour choisir un autre monde pour mettre dans la place qui pour venir défendre les droits citoyens de la situation. L'autre bagaille que vous voulez connaître, bataille, déportation massive qui a fait en République Dominicaine, nous prenons l'autre. Chapitre. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Dominique Dupuy, te parle pour te dire que diminution sur quantité de monde qui a déporté par rapport avec des marches qu'elle fait bon côté communauté internationale, qu'elle te dit pas, eh bien, République Dominicaine dit pas de bagarre comme ça. Elle démenti l'information, elle dit la poursuivre, chaque semaine, il y a pimpé dans le pays d'Haïti, plus passer 10 000 monde qui ont été même prévoir les personnes. Question corruption en dedans pays. Non bien public ou bien que arrangé que mal fait. Michel Joseph Matéli n'a raconté
à travers ILCC cap frappé qui dit le pas camp. On pas connait à qui ça enquête qui a abouti. Mais de fait, c'est des démarches qui montrent au moins gain l'espoir pour nèg suspend passer dans l'état pour venir porter aller, venir voler tout ça dans l'état et puis puis faire bien pour le peuple là, dans crasse pour le peuple là, dans la misère les personnes. Pour journée mardi qui t'est passé, tu gain réunion travail qui t'est fait entre ministre touriste James Moura et gouverneur DRH là. Nous voulons parler de Gabriel Ronald pour te garder sur tout ça qui a passé dans le pays sur le plan économique. Qui j'ai cap essayé garder vecteur économique plus bien qui cap rendre que situation li améliorer en dedans pays d'Haïti la situation. L'autre bagaille que nous connaît. Guy Philippe réagit sous réélection Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Selon lui, il estime que choix ça sans doute capoter un qui joue en plus pour pays d'Haïti par rapport avec républicain parce que selon lui ça l'a gardé là qui gagne dans le pays c'est et démocrate qui potel républicain a poté un autre bagaille même que il vraiment douté qu'il va gagner déportation massive tant que Jean Donald Trump t'a dit dans toute campagne surtout les monter qu'il pas danser coller avec question immigrants qui aux États-Unis d'Amérique et c'est des situations qui te permettent en plus le monde trouver dans une situation très difficile. Président Conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, qui était accompagné avec Conseil présidentiel, Laurent Cécile, Fritzel Joseph, et avec membre d'un gouvernement, il voulait parler de Mme Christine Freestal, qui est ministre Finance et Économie, et bien, il était arrangé avec les personnes, il était participé dans une grande activité, et était directeur général APN, qui était participé tout, secrétaire Seattle. Et nous voulons parler de Christian Stevenson qui a participé pour essayer de regarder qui gens qui ont rendu le pays à plus bon service à travers la gouvernance pendant qu'il y a un pile dans eux et que KPT a cherché à retirer, mais il y a qui a serré les rangs, qui a serré les coudes avec eux pour continuer à faire ça au pito, mais ce n'est pas ça qui prend l'intérêt du pays d'Haïti de la situation. Et dans le dossier, vous parlez de ULCC qui a regardé comment il est capable légèrement alors quoi déjà équilibré entreprise et parmi eux gagner entreprise luminescence qui est Belvedere moi si m'a trompé lui mandé pour capable mener pour capable joindre des données qui pour avec Andy Matéli madame li petite li là yo pour par rapport avec monsieur dame ça yo comment que eux-mêmes est-ce que yo gagner l'argent que eux besoin des détails sur lui est-ce que monsieur ça investi acheter bagaille dans là ou dis-moi est-ce que entreprise ça yo c'est-à-dire entreprise qui a blanchi l'argent pour moun sa yo. Et bon, en tout cas, on va le connaître. Donc, on m'a dit à qui ça enquête ça va servir comme résultat. Bien, moi-même, qui a dit que moi très douteux pour que pral gen de résultats qui pral tomber avec enquête ça. Parce que, l'éclair, si je dis en là, il y a trois conseillers que nous cité dans le scandale corruption. Et malgré ULCC comme une institution étatique et qui t'a dû être grave avec toute indépendance, eh bien, je dis, là, ULCC, ben, résultat rapport. Et il dit que trois conseillers, ça, on a parlé de Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Ventilier, Smith Augustin, vraiment impliqués dans le scandale de corruption. Et il demandait pour que la justice agit contre M. Sayo. Et nous sommes capables de voir comment que, et des séries d'avocats ou bien des séries de a vraiment passé en bas pied et institution ça qui est ULCC qui donc pour montrer que travail ULCC hein, c'est pas un travail et un dit qui fait avec impartialité et il pas fait avec objectivité c'est comme quoi son travail qui fait avec qui est force côté selon ça on fait qu'on est selon ça il dit alors que réalité hein, et selon un peu le monde, li pas vraiment montré ça. Réalité à jeudi, hein, selon un peu le monde, yo est que ça cap dit, hein, et yo montré qu'il a passé en papier droit institution étatique, nous yo. Que l'almené enquête sur question maté, li par rapport avec un zion ensemble de entreprises et Pétionville, yo estimé que qui t'a blanchi l'argent pour la famille Matéli, est-ce que ça va guider un et poursuivre avec enquête ça yo? Moi douté très fort et moi dit, moi, est-ce que vraiment que nous mettons attendre avec parce que je dis, regardez, jusqu'à présent, posez question, la GCIRH, jusqu'à présent, on n'a pas jamais réglé. L'agent Petro-Caribé, ou équivalent à sa cap, dit, on n'a pas jamais réglé. Et l'agent qui se boule là, non, Ariel Henry, l'agent qui boule là, non, monsieur Sakilayo, qui donc, en plus, mon abdité, il n'y a pas espéré et il n'y a pas attendre avec grand chose, dans la question de ça, des Ivenesses. Et désir, dans la question qui est pour avec encore,
dossier réélection Donald Trump nan, et comme président États-Unis qui pralvin exactement 47e président États-Unis gen pile moun gen pile expert gen pile andi des étrangers des chefs d'État et des américains d'origine haïtienne tout qui ont même c'est des avocats qui résident aux États-Unis yo même yo commencé à poser des questions et ont commencé à faire des analyses avec rivé Donald Trump et comme on l'a fait encore dans Maison Blanche. Et c'est cas pour nous capable de dire avocat Franklin Denis Julien. Monsieur qui est un haïtien d'origine, mais qui est un américain qui est naturalisé. Monsieur lycée avocat, l'a travaillé, exercé métier aux États-Unis. Et je t'ai parlé sur Antenne Magique 9 et matin qui c'était jeudi 7 novembre 2024. Non. Selon Maître Franklin Denis Julien, monsieur dit que, regardez bien mes amis, c'est Américain d'origine haïtienne et qui c'est un avocat qui vit aux États-Unis. Monsieur, c'est pensé, l'espérer. C'est ça que lui-même nous commençait à suivre de Néo. Maître Franklin Denis Julien, monsieur dit que lui pas espéré avec rivé administration de Donald Trump et de Livingston pour qu'il y ait une nouvelle sanction contre ensemble de acteurs haïtiens yo. A dit ça on met tout dit tout que dossier ça. Je attendais yo pas sanctionner si va sanctionner ça. Je il pas espérer ça que va des sanctions qui va le prendre contre et des acteurs politiques ou bien acteurs économiques ou bien de monde dans société qui ont même impliqué. Soit dit frère. Qui ça sanction fait? Qui ça sanction utile? Bon, ça est la question pas poser vraiment dit peut-être pas ça que ça valait-il. Elle dit là, même si on comme si que Jean moun attend que administration Biden non pardon, tu n'a pas venir là, il va aider Haïti, il va faire Haïti avancer. Monsieur dit non, pas mal comme ça. Parce que pas oublier priorité et by Trump, c'est pour les États-Unis et m'a venir tout à l'heure avec déclaration et président de la France là Emmanuel Macron. Et m'a attendre tout à l'heure. Eh ben mettre Franklin Denis Julien, monsieur dit clairement que il va espérer que l'être comme Galvini pral gagner des sacs pour continuer pour contacter haïtien. Mais pas oublier, il y a ce qu'on appelle le département d'État américain, le département trésor États-Unis et mais où il y a des monde dans la plame yo et surtout ces pays yo dans le cas de Haïti. Là on va décider. Monsieur dit avec administration Trump là et comme si li pa pral bay comme si question moun ki impliqué dans question zam en Haïti et bien dans question crasé pays li pa attendre que quelqu'un des bagages qui pral poser kont moun sa yo et toujours selon maître Franklin Denis Julien monsieur dit que et capable pas gagner trop et alors capable gagner continuité sur un ensemble de dossiers en Haïti et monsieur dit ouais motivation administration Biden n'a pas gagné. La question pour faire mission ça venir en Haïti. Eh bien, monsieur dit avec Trump, et les gens d'abord même mettre accent sur ça même. Bon, ça va aller pour tout. Parce que pas oublier, c'est pour le groupe moun. Peut-être qui prend l'entourage li, qui prend l'administration li, qui prend garder avec li les rivé et analyser et étudier dossier Haïti. Mais qu'on n'a pas oublié, avant même de arriver sur Haïti, ben Trump pral gérer de l'autre gros intérêt américain et ben intérêt Haïti pral primer. Attendez bien avant même que Trump pral arriver sur dossier Haïti hein, sur ensemble de dossier Haïti ap konnen la yo Trump pral primer intérêt la Cali d'abord qui donc rete tant que ça qui arrive c'est sous 2 3 ans les pral presque fini mandat là donc c'est les sales pral mettre focus sur Haïti mais dans premier deuxième année mandat là li pa pral mettre focus sur Haïti selon maître Franklin Denis Julien. Là encore, c'est peut-être analyse et compréhension, lecture, et Julien a fait, mais ça, il n'est pas obligé ça, ok? Il n'est pas obligé ça, vraiment. Mais désir, ça me dit là, pour nous comprendre. Dans la question ça, qui est venu avec de notre réaction, mais je veux que nous comprenions, c'est bien, si Emmanuel Macron, président pays de la France, quand la France est une grande puissance mondiale, parmi et ensemble de puissances mondiales, la France est une. Emmanuel Macron, il est clairement dit que Donald Trump élu, mais réélu comme président des États-Unis, il est venu pour le défendre intérêt américain.
et demander avec européen yo est-ce qu'il est prêt pour défendre intérêt l'Europe. C'est bien monsieur. Emmanuel Macron dit et m'a entendu. Donald Trump réélu pour venir défendre intérêt américain et européen yo même. Est-ce qu'il est prêt pour défendre intérêt européen? Est-ce que vous pouvez contenter pour lire l'histoire de l'autre pays ou bien l'autre pays a écrit ça? Ça, il dit mon bagaille. Il dit que je dis, hein? Eh bien, chaque pays doit préoccuper des situations de la Kaili. C'est bien ça, me dit, hein? Chaque pays, chaque peuple, chaque nation, il doit préoccuper des situations de la Kaili. Je dis à tant de nèg kap di vini trop abo pour Haïti et démocrate fait nous ceci. Je dis c'est haïtien qui doit préoccuper de situation Haïti. C'est haïtien qui doit préoccuper de situation Haïti. Moi dis encore parce que si nan niveau la France là comme grande puissance Emmanuel Macron fait déclaration ça, on pas besoin zou pour même qui ti pays. Il dit, c'est nous qui a clair que c'est nous-mêmes qui pour d'accord, mettez problème nous sous côté et pour nous arriver, eh bien, mettez Haïti d'abord. Parce que, moun ki, j'aimerais un peu lire des politiques haïtiens, un peu haïtiens, à mon cher, venir trop près pour Haïti, parce que ça, non, loin de là, trop près de venir pour le défendre intérêt des Américains. Intérêt des Américains. En on vini avec Trump, et pardon, non? Avec Emmanuel Macron, qui nous prend le temps de désir. Nous prend le temps de. Et m'a fait mon hôtel. C'est vrai en français, pas oublié. Mais m'a fait déjà ba nous grande l'idée de ça qui dit là-dedans. Même si c'était qu'il entend. Yeah, si c'était qu'il entend. Vous comprenez? Et je dis, hein, c'est chaque bouille qui boit dans le pâturage. Ou même qui a peur de chercher 4 à moi, mon cher Donald Trump venir là, il va venir chercher de, il va venir chercher situation Haïti, il va venir de Haïti, il va venir faire ci, il va venir faire ça. Eh bien, alcool. Pas goût mais pour nous changer la caille nous. Pas goût mais pour nous mettre pression dans les autorités nous. Pour que nous changions Haïti. À mettre espoir sur l'étranger. À mettre espoir sur Trump. À mettre espoir sur ceci. Même j'ai appelé à mettre espoir sur Biden. Eh bien, Biden fait 4 ans là. Ça fait pour Haïti de grand. Ça fait pour Haïti de grand. Seulement là, ok? Au contraire, pour un peu mon si mal fait payant. Avec le programme pour l'humanitaire là. Qui peut qui bon cerveau. Qui peut qui bon cadre payant. Qui peut qui bon crème payant. Mais pas oublier. C'est même eux même encore qui créé ça qui est là comme insécurité en Haïti. C'est la communauté internationale, c'est les États-Unis parce que pour qui ça en pile organisme, en pile expert, ils ont toujours montré avancer par A plus B. Majorité des hommes qui entrent en Haïti, ils sont sortis États-Unis. Elle avait dit administration Biden non mais administration qui est passé avant yo, il y a une capacité pour contrôler les frontières, pour contrôler les ports yo, pour empêcher que zam sorti États-Unis pour entrer en Haïti. Nous espérons quand même que question zam qui a entré en Haïti après diminuer avec rivé équipe ça bon espérer ça quand même nous espérer ça nous espérer ça OK mais on met même que et c'est pas jeune passé ben entendez et Emmanuel Macron bah c'est la bétérisa moi je trouve que notre au fond moi je trouve que notre rôle ici ou au sein de l'Union européenne c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump savoir si c'est bon pas bon il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêts à défendre l'intérêt des Européens ? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine et aux États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est un moment de l'histoire pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire? Et moi, je pense qu'on a une force pour l'écrire. Nos économies sont fortes, nos pays ont des systèmes de défense sophistiqués, et on représente quelque chose. L'Union européenne, c'est 440 millions d'habitants avec ses 27 pays, et la communauté politique européenne, c'est plus de 700 millions d'habitants. Si on décide d'avoir conscience de ce qu'on représente géopolitiquement, commercialement, c'est une puissance inouïe. Il n'y a aucun marché de 700 millions d'habitants aussi uni par l'histoire, des intérêts, des valeurs que nous autour de cette table. Aucun. Si on se réveille et qu'on décide au fond de ne pas disparaître géopolitiquement
et de ne pas être le marché d'ajustement des autres puissances économiquement et commercialement. Et donc pour moi, ce moment, c'est celui où on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté, dans notre autonomie stratégique, et de dire au fond, on n'a pas envie simplement d'être des clients, d'être un marché qui est pris, de déléguer en fait à d'autres notre économie, nos choix technologiques ou notre sécurité, mais on veut pleinement se saisir de la question de la paix sur notre sol, de notre prospérité et de notre modèle démocratique. Pour moi, c'est ça les trois défis de la communauté politique européenne qu'on a discuté ensemble. Au fond... Ça veut dire... Well, allez-y, ça veut dire... Et l'Europe, communauté européenne qui est 27 pays et 700 millions d'habitants, gens que... Et Emmanuel Macron dit, hein, a dit, comment c'est prendre au sérieux intérêt l'Europe? Eh bien, la France, non. L'Europe, 27 pays qui n'ont, on dit 27 pays qui n'ont, et communauté européenne, non. L'Union européenne. Donc, je dis, hein, c'est comme ça que nous pensons ces pays. Et comme ça que nous réfléchissons et nous prévoyons comment pays va venir. Parce que, ouais, il n'y a pas qu'à arrêter client seulement. Elle dit, c'est ça pour nous comprendre. C'est vrai, nous ne pouvons pas faire une analyse comparative par rapport avec comme c'est Haïti, la France. Non, mais écoute, moi-même, ça me le dit nous et ça me le qu'on comprenne que là où c'est dirigeant, ou qui pour travailler pour défendre pays ou qui pour travailler pour mettre pays ou dans une situation acceptable pour être capable de vivre là-dedans. C'est là que moi-même. C'est là que je suis. Comprenne que je dis, hein. Donald Trump élu, réélu comme président des États-Unis, libéral défend intérêt États-Unis. Libéral défend intérêt américain. Et nous-mêmes, là, nous en Haïti. Parce que nous passons plusieurs dirigeants. Depuis notre temps, Bambo, qui est vraiment qui te dit que y a travail pour établir un vrai système, un système national dans l'intérêt Haïti? C'est bien samedi, hein? Il y a établi un système national dans le pays. Hein? Et quel que soit le président qui passe, quel que soit le premier ministre qui passe, quel que soit le parlement qui passe, quel que soit le juge qui passe dans le pouvoir judiciaire, hein? Les OVNI, il y a toujours un système qui est implanté. Et ceci dit, il y a exécuté à la lettre le système ça. Et le système ça, il y a un intérêt pays. Hein? Est-ce que n'y a modèle, est-ce que n'a pas un modèle mounsayo, mais est-ce que tu travailles pour te implanter un système pareil? C'est l'âme ligne comprendre. Moi-même, m'ba connais si tout le monde désire d'accord avec capable d'accord avec et ou cap garder qui doit d'accord capable d'accord avec. M'ba attendre rien de Donald Trump pour faire pour Haïti. Même Jean administration Biden non. Batatanan de sérieux qu'elle va faire pour Haïti. Bon, je dis à Kadim, l'y fait, parce qu'il mette programme pour l'humanitaire, et bon, plus on passe par frontière. Mais si, ou vraiment, ou sommes qui lucide, ou sommes qui a de grandes pensées, a de grandes visions, et qui est pays d'abord, ou dit que, quel que soit programme pour l'humanitaire, quel que soit monde qui passe par frontière, t'es toujours des gens qui entrent aux États-Unis. T'es toujours des Haïtiens qui passent par la frontière. Oui. Mais, quand si t'es Haïtien qui a quitté Haïti pour, parce que pour la vie pas bon, pour insécurité, pour tout ça, quoi, pas bon, parce que pour violation, attendez bien, je vais comme ça. Pour violation ensemble de droits fondamentaux, yo, droit à la vie, ça n'est les sécurités, hein, droit à la santé, droit au logement, droit à l'éducation, droit à la manger. Et si ensemble de droits ça a été respecté, si tu as ensemble d'infrastructures qui t'a fait en APA, tu as de gros investissements, tu as ou tu as ensemble de bagailles, mais pourquoi me souvler, haïtien, en pile haïtien, tu as prêté vivre en Haïti. Il est qu'à voyager, faire commerce, aller acheter dans le pays, entrer en Haïti. Il est qu'à voyager, faire entrer sortir dans le pays. Mais quand tu es haïtien, qui quitte Haïti pour la vie pas bon parce que insécurité bagage ça débité gain débité qu'un pays qui t'a fonctionné li pas t'a comme ça quantité rien li pas t'a dans quantité ça. Donc je dis hein, on même qui met en tête tout son bagage avec rivé trop pral de Haïti pour changer m'a dit ça quel que soit président américain
quelle que soit l'administration américaine qui vient, qui prête être États-Unis. C'est l'intérêt des États-Unis d'abord. Il a pensé à avoir après. Je veux dire, pas comprendre, même tout bagay. Pour quantité dossier qui c'est intérêt États-Unis, intérêt mondial, que l'administration Biden et Trump n'a pas géré là. Ou pas c'est Haïti qui va mettre avant? Je ne sais pas comment dire ça, non? Pour quantité dossier là, que Donald Trump a géré avec Jay Evans, l'administration là, ou pas c'est Haïti qui va mettre avant? En garde bien pour nous, hein? Trop pral travail pour remettre les États-Unis en campé. Et comment ça prend? Et dans quel système il pral commencer à prendre? Et pas oublier, il y a un gros malais pendier là sous dollar américain. Il y a une question de BRICS qui a parlé là. Oui, c'est très important. Il y a une question de marché commercial qui a fait là. Entre les États-Unis et la Chine. On va pas d'accord bien. Monsieur, trop pral toujours le goût pour le Kembe. Pour les États-Unis, Kembe. Première puissance économique et mondiale. Là. Alors, économique et militaire, à bien dire. Vous n'avez pas pensé, pour ça, tu as pour le gérer là, avant pour les États-Unis, c'est Haïti qui va le mettre d'abord. Haïti va le mettre avant. Haïti va le mettre avant dans le dossier. Ok. Vous n'avez pas ça pour nous comprendre. Bonne moun nous les dirigeants en Haïti. Bonne moun nous les autorités en Haïti. Ça te passe avant, vous faites critiquer. Yo. Yeah! Ça qui t'est passé avant, faut une critique. Ma pense qu'on a qui passe, il t'est sorti, et qui t'a dans ce lit. Ma pense qu'on est. Mais tout ça qui t'est passé avant, yo tout responsable de mettre Haïti côté li là. Et, vin pi mal Haïti, Haïti est là. Lise mauvaise gouvernance. 30 dernières années, classe politique, société civile, droits humains, oligarques corrompus haïtiens. 30 dernières années ça. Elle mettait mauvais geste sur Haïti. Elle mettait Haïti dans le niveau ça. Pis mal. Dans tout sans fond ça. Vous comprenez? Kounia, ça qui vient là, yo. Pas la vie qui vient là, yo. Vagabond, vagabond qui là, yo. Rakete, brake qui là, yo. Au lieu de couper le travail. Ok? Pour mettre pays à camper. Vous comprenez? Ouais, ça a fait, c'est goumé à goumé. Y a goumé pour poste. Ça veut passer pour pigo chef. Il y a pas, il va primer Haïti. Il pas mettre Haïti d'abord. Et pour pas ça goumer là. Et l'équipe sans honte parce que nèg a cap défendre nous 3000 piastres nan men, soit nan men koni ou bien nan men kapete a, mais li avec li pa wè. Li avec li pa wè. Li pa wè Haïti d'abord. Mais parce que la défense on de 3000 piastres nan men pays koni ou bien nan men gouvernement ou dit mais nan men kapete a, li pa wè Haïti. Il va primer Haïti. Nous pouvons faire apte nous étranger. Pendant ces temps, c'est nous pouvons payer nous. Nous va imaginer si vraiment Trump a déporté Haïtien, immigrant et Haïtien surtout. Est-ce que là qu'il est bon pour laisser voir? Est-ce que là qu'il est bon pour laisser voir? Nous avons c'est comme si que je dis, faut bon. Regardez ces hommes qui a déporté quelqu'un Haïtien. Regardez dans qui misère là. Kounya. C'est le même déporté, qu'on a pour États-Unis, bien déporté tout. Ouais, là, qui s'en apprend? Oui, qu'on a, on a déjà travaillé pour nous dire, OK, on nous goûte, on mette sécurité, on mette la vie, on fait ci, on fait ça, pour faire élection, pour qu'on pouvoir. N'a goûte pour passer ministre? Désir en avancé. La situation, je dis, la politique mondiale qui a appliqué, l'hypothèse, un paquet d'enjeux. Quel était dans l'Amérique, quel était dans l'Europe? Auquel tu es dans l'Asie, l'Afrique, il y a pratiquement des conséquences. Qu'est-ce qui a passé comme événement politique, économique, social, qui a passé dans l'Amérique? Eh bien, si là, qui a travers l'Europe, il a affecté ça qui a passé. Je veux dire, je pense que quelqu'un qui est élu pour président de la plus grande puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, il n'y a pas qu'à vous gérer. Les responsabilités personnelles, envers peuple qui vote à travers le suffrage universel, à travers les élections, les besoins changer conditions de vie. Mm-hmm. Parce que ensemble, monde qui fait choix dans l'élection qui se fait aux États-Unis là, c'est des monde qui planifie l'avenir, qui analyse ensemble enjeux qui gagne, qui garde les démocrates, qui ont été positionnés suite avec enjeux qui a avancé bien sur les États-Unis avec. Est-ce que je dis à on est ou qu'à continuer? Nèg ak fòm ki nan pouvoir ici. Ka continue kontante yo, apre te tann, mais qui est-ce qui pral président, mais qui sa kèl k ap voté?
à qui fait qu'elle essaie faire statistique ça, ou essaie de garder données ça, qui est satisfait déjà. Combien de monde qui t'arrive à comprendre que la communauté internationale là, qui a changé le conditionnement de vie, monde qui a vécu Haïti, ok, ouais, qu'elle passait à l'œuvre et ça a été souhaité à ses équipes. En plus de fois, il y a toujours montré qu'il y a une ambiguïté. En plus de fois, il y a montré qu'il y a trouvé des situations qui sont extrêmement difficiles, il n'y a pas qu'à avancer, il y a bloqué dans le haut. Malheureusement, nous toujours arrangeons qu'il y a une série de coques, nous toujours arrangeons qu'il y a une série de nègres qui sont culture, une série de nègres qui sont pas nationalistes, qui mêlent avec ensemble femmes, qui décident pour une raison ou bien l'autre, pour écraser, agriser la République dans l'intérêt de la communauté internationale. Blaise, ou après, les Européens, ils ont pratiquement gardé la question à eux-mêmes. Ils ont dit oui, dans la chambre présidentielle, les responsabilités, c'est pour les Américains. Mais nous-mêmes, dans l'Europe, qui est-ce qu'on doit arranger pour nous planifier pour l'avenir européen? Je dis, un pays d'Haïti trouvé dans l'Amérique, à quelques heures des États-Unis d'Amérique, nous avons constaté ce qui a passé en Haïti. Qui rentrait dans un vaste complot au détriment de la République? D'ailleurs, on te dit ça déjà. Il faut qu'on arrange pour nous lever nous une contre l'autre. Pour ne pas quitter nous ni nous, parce que nous arrivons à comprendre. Peuple, ça qui te prend indépendance, c'est bien bonheur. Qui pas de gros âmes, qui pas de gros lamets. L'été fait, si on fait qu'on a quitté, nous collons tête ensemble, mon cher, n'a pas fait qu'il choye. N'a pas gré mon tête, nous. Et nous avons même un problème. Et si ce n'est pas prophétique, monsieur, dame, vous devez faire tout ça qui a fait au niveau mondial. Il n'y a pas de cabaret, pays d'Haïti. Mais de fait, il y a besoin qu'il arrive dans les airs de confiance, nous arrive dans les airs de conscience, qu'a aidé nous sortir dans ce que nous trouvons. Ce qui a passé dans le pays, quelle est la communauté internationale, là? Quelle est qui dit qu'il y a un pouvoir dans le pays? Si vous regardez au blanc des yeux, ou bien vous regardez au génange, ouais, ils ont senti confortable dans ça qui a passé dans le pays là. Pour eux même situation Haïti, c'est une situation normale. Parce que c'est eux même qui créent, c'est eux même qui mettent. Qui les a retirés? Moins avant pas. On est qui les a retirés? Est-ce qu'ils ont une volonté pour les retirer? Mais toutefois, qu'ils attendaient, net qui c'est conseiller et électoral, ils ont montré qu'ils ont préparé et ils ont agi là pour se mettre liste électorale c'est ça qui a travaillé. Parce qu'ils attendaient, doyen et Gary de Rosier, qui représentait la presse, dans le KPA, qui pratiquement parlait sur question ça. Tout ça, la visite de plusieurs médias, la visite de Galaxy, Kounyala, et ça, soit bien avec la visite de le nouvel liste, Robin. Bon, pour la bonne information, sur l'ensemble de travail. Yes, avec ce travail et KPA a fait. Bon, mais jusqu'à présent, là, tout, l'autre des membres, tout beaucoup j'aime météo. L'autre des membres, est important pour mettre beaucoup j'aime météo. On ne comprend pas. L'autre demande bio. On a mis l'accent. Sous ça, on a suivi. Ça, on a regardé. Ça, on a attendu. L'éclair pour nous dire que pas de rien de sérieux qui a fait. Question et conseil électoral provisoire là. Mais on a de mettre le de côté. Et bataille qui gagne entre conseil présidentiel avec premier ministre. Premier ministre fixe position. L'ITI, membre conseil présidentiel transition, yo, besoin de retirer. Trois membres qui impliqués dans le scandale corruption dans le BNCA. Publié ça qui a été signé comme accord politique. Il dit qu'il n'est pas essentiel changer ministre. 700 000 monde qui partent quitter la CAIO à cause de problème insécurité. Est-ce que nous sommes retournés à la CAIO? Je dis nous pas qu'à barranger pour nous faire l'État, tant qu'on bœuf papa qui n'a jamais papa. C'est parce que je suis président, ou bien parce que je suis directeur général, ou bien parce que je suis ministre, je suis décidé de dire, je vais vous rendre vous, je vais job. C'est ça qui a fait un pays là. On go naïve. Qu'on bagaille qui vivait dans l'hôpital HPG. Les trissuit. Par rapport à un problème de sécurité, un moment qui a accouché, on jumelle, des petites filles dans l'hôpital HPG, go naïve. Si mon yon mourit, oui, pour problème de médecin, oui. Parce que nous avons l'État qui arrange, ensemble, nous qui a travaillé dans l'espace ça. Yo ba yo transfert par rapport avec route qui pa gagne par rapport avec problème de sécurité et l'état même l'état te voye moun sa yo plus passe 9 médecins qui étaient dans la maternité de l'hôpital HPG dans Gonaïve yo retire moun sa yo et puis yo pa garder ressources non qui gagne dans zone là nous cadavres majorité moun ka vivre en Haïti ce sont des morts en bilan parce que ça qui plus essentiel là nous pa gagne ou pas de soins de santé, puis l'hôpital pays a le fermé pour qu'il y ait un problème de sécurité.
malgré mascarade, mission multinationale, malgré mascarade, gouvernement. Il n'y a pas somme car il peut contrôler l'hôpital général. Et si vous regardez ce qui a passé dans Port-au-Prince, on s'est mouru abandonné. L'école, l'église qui a abandonné, ça n'a pas préoccupé les autorités là-haut. Mais vous vraiment préoccupé des élections qui sont faites aux États-Unis d'Amérique. Qui intérêt que vous avez gagné? Qui nouveau relation que vous avez développé? Avec un qui vient dans l'administration. Et Donald Trump, Jerry Vincent. Est-ce qu'elle va le servir? Parce que, pas oublier, next à c'est des serviteurs qui ont. Il n'y a pas de problème pour prendre forme, quel que soit le monde qui a fini. Exactement. Parce que je dis la soirée pour Leslie Voltaire, de qui t'a préparé là, pour dans la chambre accueillir. Accueillir pour faire qui ça? Pour venir à diriger un État dans les États-Unis d'Amérique ou bien? Pour consulter pour venir diriger Haïti. Je dis, Haïti a besoin de leaders qui sont honnêtes. Il besoin de leaders qui sont crédibles. Il besoin de leaders qui ont gardé blanc dans le jeu. Il besoin de leaders qui ont pris des décisions. Qui a porté, qui choisit pour le pays. Si nous avons gardé la situation, l'affaire de l'insécurité dans le pays, ce sont des bagages qui sont typiquement programmés. Ce n'est pas un bagage qui n'est pas contrôlé. Ce n'est contrôlé par des secteurs clés dans le pays. Ce n'est contrôlé par la classe politique traditionnelle. Ce n'est contrôlé également par la classe économique, le secteur économique des affaires. Parce que si vous n'avez pas des âmes, nous disons ça plusieurs fois et nous continuons à dire. Il y a besoin d'un monde qui peut approvisionner. Est-ce que vous-même avez contact ça? Est-ce que vous déplacez aller les États-Unis d'Amérique que nous connaissons? Tout le monde autorisé à aller dans l'espace côté de Zam, dans le magasin, ou le bâtiment côté de Zam, ou aller voir la société. Est-ce que vous avez contact comme ça, Naïs? Qui ça cause? La police doit paraît inefficace face avec Bandi. Parce qu'elle n'a pas de moyens. Et Bandi, qui moyen que vous avez? Est-ce que Bandi a blindé? Est-ce que Bandi a déjà formation que chaque policier prend? Il a déjà doublé Monsieur Bandi ça qui en face. Résultat, ou problème qui est dans le pays là, il a besoin de développer un fond commun dans sincérité, dans l'union, dans respect. Comme si, ou sort de blaise, il est inquiétant, il a gros qu'est cassé avec Haïtien et c'est normal. Comme si, pour la République Dominicaine, il a une position, il a pimpé dans le pays d'Haïti. 10 000 Haïtiens par semaine. Elle démarre avec lui. Sous période de 1 mois, il presque envoisiné 100 000 personnes. Ou bien 50 000 personnes qu'elle voyait en Haïti. Ça va dire autorité. Hein? Vous mettez sous annonce que Donald Trump fait là. Comme si n'a quitté ces organismes internationaux qui viennent accueillir mon encore. Là, que j'en ai fait pour la République Dominicaine. Là. Parce que l'on a regardé, c'est OIM hein, qui a pris ses voix mon. Ou bien c'est des gens qui étaient dans la frontière ou qui ont bâillé ces assistances. Pendant que vous avez pour pouvoir. Vous avez pour pouvoir qui s'accueille. Quel que soit l'autre pays qui va à Haïti, le peuple qui est mobilisé, marcher dans la ville d'accueil. Aller dans la primature pour acheter chez gens. Pour dire que nous pas qu'à délivrer après 6 mois, ils ont ces bagages qui ont fait. Parce que moi, je suis concentré sur le ministre qui ont voulu retirer. Mais songez, ce n'est pas le ministre seulement qui mène le pays là. Ce n'est pas le ministre seulement qui dirige le pays là. C'est tout en général. Décision yo global selon moi. OK? Yo besoin arranger yo, yo bien synchroniser, yo besoin arranger pour bien planifier et ça prend comme décision dans notre la République parce que moun yo pas capable encore. Ou bon l'école qui nous vit dans un contexte qui est extrêmement difficile dans grand bout. Là on attend des organismes internationaux donc gouvernemental yo blaise. Cap avancer des chiffres. Sur ça qui gagne comme situation moun qui déplacé, moun qui dans grand bout extrême. Ça t'a de côté en pile question dans tête. Ça t'a de laisser à réfléchir. Pour dire que, ben, je dis si il y a possibilité pour manger. Mais, et demain, dans des 3 ans ou bien dans des 3 mois encore. Parce que, ou pas qu'il travaille, ou pas qu'il y a possibilité pour business ou à marcher. Mais ben, situation très difficile. C'est la fin que vous dites, diriger, c'est prévoir. Faut qu'on prenne responsabilité pour prévenir tout ça qui a fini pour qu'on résoudre le problème qui vient. Je dis, please. Si pas qu'il y a rien qui fait. N'a pas plus de territoire qui a perdu. Ou bien pays a dans l'ensemble a perdu net et autorité a sauvé pour aller cacher les États-Unis d'Amérique, pour aller cacher le Canada, parce que plein de pays ont appris ici. Parce que la communauté internationale là, l'a intéressé. Et vous n'avez pas quatre raisons de nous dire qu'il fait l'a intéressé. Moi-même, Desi Venet, ça me comprendre que je dis, hein, nous sommes pour ne pas prendre troisième transition. Ouais, ça, je voulais que. Quel que soit mon cap gade, Peter Dimso, ça écrit.
OK, écrit. Nous sous route pour nous prendre une troisième transition. Parce que si que KPT il va vouloir entendre avec Koni, eh bien il est clair. Les qui pral mener pays non dans plus crise, il est ça pral joindre pas gagner le choix. 7 février 2026, ok, les gens te dit, y a remet pouvoir, by yon groupe moun ki élu, kal nan élection, et que se pep nan vote yo, moun sa yo, eh bien, pas oublier, les gens yon pagé en pile ta devant yo. Parce que les estime comme si, moi qui était en novembre 2024, les gens dit en octobre, selon les ministres de justice, dans M. Carlos Hercule, les gens ont installé 7 membres du conseil électoral provisoire. L'été dit clairement que 7 membres, ça, alors, élection, y a organisé octobre 2025. Elle dit, premier tour, hein? Parce que Haïti, qu'on est. Haïti, il y a tout, il y a tout dans l'élection. Il y a tout dans l'élection. Tout dans chemise, tout dans manche, tout dans pantalon, tout dans poche. Vous comprenez? Et je me connais que, et bien ça me dit, mais son, à force que tu as un pile exemple qui passe devant chez nous, n'oublie tout dit que premier tour organisé en octobre. Mais je dis ça. Parce que sous Matéli, tu as de tout. Sous Jovenel, t'es gagné de tout. Et sous Préval en 2006, m'ba quoi t'es gagné de tout, non? Mais t'es gagné mouvement que t'es fait côté de son jeu. Moun yo t'albé en la piscine Montana pour que Préval t'es ka président. Matéline son jeu, au Kay réduit en cendre pour Matéline vin président. Jovenel Moïse, mou quoi yo fait n'importe 21 ou 22 à 23 manifestations pour que Jovenel te vin yo ba résultat que Jovenel président. Est-ce que vous comprenez? Que jodi an, ça me le ken comprenne, jodi an, ça me le ken nou gade, que l'emzin sout pour nous prendre une troisième transition, mou kon sa m'ap di an. Parce que si yo ba ka entendre yo, si yon pa ka entendre yo, eh bien, et c'est entendre yo pour permettre que yon ensemble de dossiers, yon ensemble de dossiers pour yon traiter ensemble. Bien que qu'on est clair. Gary Koni, comme premier ministre, li la pour exécuter feuille de route gouvernement. Alors, oui, feuille de route que kapete a bali. Quel que soit un président qui t'est élu, mais premier ministre avec ministre qui est dans le gouvernement, il y a là pour exécuter feuille de route que pouvoir établir. Et même Jean, dans l'accord 3 avril, qui gagne 5 gros chantiers, qui t'est d'abord, c'est rétablir sécurité publique. Ok. C'est organiser conférence nationale souveraine Jaoulil. Organiser élection crédible, transparent, honnête, j'en ai dit en Haïti. Hein? Quatrièmement, rétablir état de droit. Haïti, fait justice nous en faute. Fait société, alors, fait institution nous en faute. Bon, je veux dire, regardez, j'ai passé USCC en papier. Je veux dire, regardez, gens, on juge et invité, on conseiller. Pour lui dévoiler le nom de ce scandale de la corruption, gardez pile par les capdi, juge par les compétences, parce que et conseiller, il fait office de présidence, là, veut dire, il faut qu'il y ait la haute cour de justice. Elle dit, là, institution n'y a pas de debout. Pouvoir judiciaire, là, regardez, il manque Mousseau, pas quoi la donne, les sous tutelle exécutif, bon, pas de législatif même, elle dit, pas de parlement même. Et, comment vous comprenez? Je vous dis bien. Gary Koni a un problème, parle 7. Gary Koni a un problème, parle 7. Les trompés vigilance KPT.
l'aime dit tromper vigilance, ça veut dire que l'été fait croire non bagage et puis les vini est pas ça. Je dis à gars qu'on n'est pas qu'à plaigner que international là ça a été promet là pas j'aime pas bailli et c'est qu'il y a 40%. Bon qui est il pas même à moitié même. Qui dit est arrivé à 60-70%. Et vous regardez comment pour tu résoudre ça gars là comme problème. Bon, si nous là nous à 40%. Mission était de bah mission 2500 et policiers soldats dans mission nous à 400 matériel yo a venu par contre goutte alors que bandio a pris territoire bandio a metté difé bandio a crasé commissariat bandio a fait ceci, a fait cela. Ça veut dire que sous point ça rétablir sécurité l'état ça c'est zéro. Alors l'état pas mais on met pour défendre tête. Rétablir sécurité ça c'est zéro. Allez, l'état je dis en pile dans bureau l'état qui était en bas la ville yo pas là encore. Par les justices qui subissent cette année-là, pas encore. Parlement, local qui subissent cette année-là, même quoi, employé à la balle dans le Parlement. BRH en bas la ville, c'est gros, regardez, gros miracle, gros barrière au mété. Et qui ont un ensemble de ministères, avec un ensemble de directions générales, qui détrouvent en EDH. EDH, mes amis, il va subir cette année-là. Un ensemble de ministères, il a presque déménagé, délocalisé un ensemble de directions. Pour nous comprendre bien ça gagne là. Elle dit le premier point qui c'est rétablir sécurité hein, Gary Kony avec toute capacité à zéro. 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 Et question conférence nationale là, bon c'est vous mettez comité baïe constitution, bon comité ça m'a comprendre. Bon pas comme ça la fait. Et pas oublier l'Engal fait réforme constitutionnelle. Doit que ça n'est une conférence nationale. Et conférence nationale là tout secteur dans la vie nationale là doit inviter dans conférence nationale ça parce que constitution que vous pral passer mais là dedans loi qui pral exister yo c'est moun yo pral vivre avec elle ya et moun yo pral vivre de génération en génération avec maman loi pays ça il faut que des implications tout secteur yo et faut tout secteur ba idée avis yo sur ensemble de ça que ni les points ça yo loi yo mais j'aime là, bataille dans le secteur, bataille dans le groupe, chaque monde a défendu l'intérêt, chaque monde a fait affaire par eux. Là encore, moi perdu. Là encore, moi-même, moi perdu. Est-ce que vous comprenez? Là encore, moi-même, moi perdu. Vous comprenez, non? Moi perdu, moi-même, là encore. Quand on nous dit, Gary Kony avec toute équipe li a des problèmes bal. Y a des problèmes pas parce que dans gouvernement Kony là, secteur yo et KPT ensemble, y a 10 ministères. Seul Kony lui même qui 4 ministères et ministère galien yo. Le Soudan était tout gouvernement ni 10 CPT ni 4 Kony yo, si n'a pas les deux bilans résultat, nous ta capable zéro pour yo. Si n'a mette tous les 14 ministères, nous ta baï zéro pour yo. Je crains sous ça parce que le regard des réalités a le regard des réalités a pour zéro. Zéro que lié. Zéro. Kounia, on regarde KPT. En sérieux. Neuf monde de neuf idéologies différentes. Et bah, si bataille, non? Bon, mais mon maman, ou maman qui fait un porté marasa, ça m'a dit un bon haïtien, on est. Les mounes ont fait deux timons en même temps. Qui est capable? Des filles et des garçons, ça va aller bon. Même les timoun yo gade, c'est pas blé, même si nous candidat avant tout yo chaque nan enveloppe pa yo. Même les ou fè youn a 5h5, donc la fête à 5h6, yo pa gen même yo pa gen même tempérament, yo pa gen même réflexion là commencé grandi. On a pas besoin de tout. Ou prend neuf grand moun en pile là qui finit échoué, on bara la bien. En pile là qui finit échoué. En pile là qui mette pays à côté là. OK. Yo décidé entre yo, yo pour tomber qui est à quoi ba nous parce que Ariel là c'est ton vagabond qui était limite à craser pays hein. OK. Mais Genao tout qui était à craser pays avec Ariel. À quoi 21 décembre. Qui je dis à ba nous le général Gilles dans capitaine. Hein? Mais si nous tout neuf conseillers yo, ça qui doit de vote 7 et 7 comment conseiller qui doit de vote deux observateurs, nous pas tous les neuf. C'est neuf grands monde. Et c'est neuf grands monde qui échoué. Bon, pas le dire, je suis dans le sens comme si va réaliser rien, non. Mais c'est neuf monde qui, comme si,
Là, regardez, et passez au, parce que c'est les gens qui passent dans l'État. C'est les gens qui, comme c'est apporté dans ce chapitre politique. Mais, côté au sortiant. Là, regardez, vous êtes capable de dire, je suis parce que, il y a tous les neuf mettez pays à côté où il là. Kounia, au lieu que, il y a entendu, ça qui vient, qu'elle fait corruption, qu'elle fait braquage, elle prend l'argent, cap ça cap, il y a goumé entre eux, ça a besoin plus de pouvoir. Dit capeter en soi lui-même tout le problème parle. Dit capeter lui-même tout en soi, le gars problème parle, mettez avec problème gars koni. Que je dis hein, ni capeter ni koni. Yo tous les deux comprendre et pas peuple qui te voter yo. C'est un accord avec un décret mettez là, c'est deux faire papier et quatre faire papier mettez là. Que si yo besoin pays, j'ai te dit, yo va le travail pour mettre pays sous programme développement ou bien pour organiser l'élection de la sécurité qui au fait ou l'équipe qui a entre eux des Ivenes Blaise yo pas d'accord pour le faire. C'est des missionnaires qui là quel était conseil présidentiel quel était ministre, c'est sous base de on mission que vous mettez mission on peut commencer yo pas ka ou pas ka demander pour faire all the fights. Je sais cette population qui pour rejoindre qui pas arranger pour ouais quel intérêt au menacer. Si nous tous d'accord, intérêt menacé, nous voulons retrouver et gagner ça pour nous. On bon matin, garanti que vous sortez de la route qui est difficile, vous ne pouvez pas résoudre. Quel est le problème économique, quel est le problème insécurité physique que vous avez résolu? C'est parce que nous, vous avez un peuple qui accepte, qui d'accord, n'importe ça vous fait nous, n'importe ça vous pouvez faire nous d'accord pour gagner la main et puis vous continuez. Vous continuez sur l'ancien, nous avons une situation difficile. Yo continue sur l'ANCEA pour permettre que vous rassemblez avec moun, quel que soit côté arrivé. Pas continuer à suivre. Je dis haïtien, il fut un temps qui était chargé valeur. Je dis pas qu'il y a une valeur d'un côté, non? Bien. Haïtien, pas qu'il y a une valeur d'un côté, men. Yo gade un temps pour fatra, yo pas respecté. Et malheureusement, vous trouvez un dilemme, vous trouvez une situation, vous venez de quoi patrie, de quoi son monde qui pas de patrie. Parce que, c'est courir en bas de Koudzam pour aller prendre refuge dans le pays contre l'IA. L'arrivée, en plus de fois, il y a un haïtien qui parle avec nous. Il désire, bon, il y a des moments de vie qui te côté l'IA. Mais, ma pose peut-être une question, si je viens à Haïti, est-ce que ma prête est vivant? Ou pas, il y a des gens qui la République dominicaine a déporté. Depuis sous frontière, il y a retourné parti encore. Il y a le Saint-Domingue. Il a dit que venir là-bas est difficile. Et l'État, tellement arrangé, il est tellement vrai. Pour gagner et intensifier des effectifs qui ont gagné, malgré ça, la République dominicaine a annoncé là, on va prendre des dispositifs pour encadrer le monde, non? On va sortir de la République dominicaine. Comme vous imaginez, il y a un jeune garçon qui a vécu en République dominicaine, qui a gagné un train de vie, qui a gagné un mode de fonctionnement, l'état de travail. L'Elvin n'a pas gagné ton jour, pour nous penser que libéral principal, libéral printemps, pour la garder mon vidéo, c'est l'État. L'État qui hypothèque la vie, jeune garçon avec une femme, qui est dans l'école classique, qui est dans l'université. Malheureusement, on se montre qu'il est tout le temps à mettre la voix au chapitre pour porter bourré, pour dénoncer. On s'en va poser cette question. C'est vrai qu'on parti dans l'opposition politique Jovenel là, qui pratiquement est dans le pouvoir. On parti pas dans le pouvoir. Mais côté ça, pas dans le pouvoir. Côté ça, dans le pouvoir. Est-ce que je dis à nous qu'on va aller sans pas un plan? Est-ce que je dis à nous qu'on va aller sans pas un objectif? Bakwel, on dit à un monde qui se montre en cours. On moun ki se moun Sigivier, on moun ki se moun Lester, on moun ki se moun Ponson de Kafoupey. Ou a souffri nan moun dans l'esprit quel que soit côté de vous. Pour qui ça s'arrive? C'est parce que ou bien un attachement. Gen nouvelle que vous attendez sous la caille. Ou dit, mais ça ka passe la, la caille sous effondré, la caille sous perdu. Qui ça ke m'doué faire pour me sauver la caille? En pile fois, nous comprenons que c'est l'argent que n'a fait aux États-Unis, n'a voué par les familles qui en Haïti. C'est ça qui permet que nous sentions nos chefs familles. Mais ce n'est pas ça qui est vrai. Parce que nous avons une responsabilité de permettre aux communautés de la vivre là. Je veux dire, l'église, l'école, il y a une responsabilité de ce qui est passé là. La famille, responsable de ce qui est passé dans le pays. Il y a une faire prévention à l'encontre de lui. Mais malheureusement, ça qui est l'église, pasteur, fidèle, Jacques, ou bien ensemble, monde qui fait partie de l'église, il a arrangé, mon cher, il a préparé pour aller dans le ciel. Pas de la vivre sous terre. C'est comme si c'est même bon Dieu ça, qui a venu avec un ange. C'est même bon Dieu ça, qui a venu avec mission pour dire, mon cher, je vais craser ça là. Yeah.
C'est comme si c'est pas bon Dieu nous espérer avec un miracle dans le pays bien pour nous. Comme si nous pas conscience nous pour ranger pays nous non et nous pouvait payer nous non mais nous mettons espoir nous. C'est chaque fois qu'on président de l'administration aux États-Unis, nous mettons espoir nous c'est les capons bagarre pour Haïti. Et là problème là et ça veut dire que nous pas jamais conscient pour c'est nous même pour faire des efforts là caille nous. Parce que chaque fois n'attend et l'état président va venir parce que Haïti était tellement focus sur les États-Unis parce que bon peut-être pour briser intérêt. C'est comme quand les États-Unis prend pour bagarre pour nous et c'est Kamala ou bien c'est trop de faire bagarre pour Haïti. Alors que pas conscient que c'est nous même d'abord qui pour conscient parce que même bagarre. Ouais tout temps de temps des communauté internationale là, li pa prendre pour un et prendre pour trois pieds là. Si vraiment nous avons des modèles de dirigeants qui c'est pas de souffle en dessous, qui c'est pas de rester avec eux, yo dit que OK, m'a garder blanc danger, m'a discuter avec blanc danger, moun noue les blancs qui c'est moun même j'avais nous lié, seulement li de l'autre nationalité, li de l'autre couleur, la li pa parler même langue avec nous, mais la tendez nous, la dit OK, pas de problème. Eh bien, on a ici, c'est venu faire droit, non. Pendant que moi, ici, abtenne, comme si, élection aux États-Unis, par la tibata, t'as poussé, comme si, y'a qu'on attend de États-Unis, y'a qu'on espère aux États-Unis. Eh bien, attend que, eh bien, on a ici, pour venir fouiller col dans les affaires politiques aux États-Unis, pour venir à penser, réfléchir pour les États-Unis. Et en Amérique, qui est capable de réfléchir pour les États-Unis. Eh bien, c'est ça pour nous comprendre. Je dis à c'est nous-mêmes comme Haïtiens tout, qui vous réfléchir et pour nous penser, pour nous dire, nous voulons l'autre Haïti, notre travail pour l'autre Haïti. Pas d'avancer des yeux. Moi-même, je pense que je dis, là où il y a des institutions clés dans le pays qui pour garantir la sécurité, la police, regardez. Pendant plusieurs fois là, la police a manifesté, la police en grève. Là où il y a la santé, ou il y a un médecin qui décide de faire grève. Là, ça va arriver à comprendre de qui ça qui conduit, de qui situation qu'on mettait. Vous mettez pays. Et si vous regardez la transition qui est la blaise, vous avez tellement montré au papier blanc, vous n'avez pas de tête. Vous n'avez pas de plan, non, blaise. Un plan d'orientation de changement non, pour le pays. Tout plan n'est que c'est dans la tête, vous n'avez pas de plan pour faire l'argent. Hein? Sans question de l'argent, n'est pas de l'argent venir, vous avez fait l'argent. Hein? C'est ça qu'a fait là. Hein? Si vous avez un plan, si vous avez préparé le pour faire face avec ça qui est là, vous avez bien abordé déjà avec les unités spécialisées de la police, avec la médaille. Vous avez fait plusieurs bandits bois, vous avez récupéré un paquet de poudre. Vous comprenez ce que ça vient faire là? Vous avez mis 10 000 policiers étrangers qui viennent là, tout même apparemment, parce que c'est tout un système qui place ça qui est là, vous pouvez le finir. Parce que une fois que vous avez le fini, vous avez cherché à résoudre. Comme si, soit Bri, BI, Boy, Itag, ou mobiliser, monsieur Sayo. Non, yon combat. Kote pap de moun kapre le téléphone kap di yon replié. Ou ba yon munitions, ou ba yon zan. Ou ba yon matériel de protection. Yap rentre, yap mare barbecue, yap mare iso, yap mare le mensonge, yap mare Jeff Canaran, yap mare Lixon, yap mare Meye, yap mare tout gang ki gang da pe ya. Ensemble, unité de l'élite Sayo. Yon ke tactique, yon continue de faire pénétration. Vie tactique que bandits ont utilisé, c'est vie bagay que vous prenez, côté abgade télévision, vous voyez que vous prenez bref. Mais, la police nationale d'Haïti, songez que c'est l'école nationale police dans l'académie qui a dépassé, qui diffusait en plusieurs sections. Il y a section haïtienne, section canadienne, section française, section les américains, en dedans, académie. Nous avons une responsabilité, non? Ou même qui a sorti comme policier. Qui j'en vois, qui j'en senti, c'est ça qui a passé là, je dis, dans le niveau pays. Quand tu passes chaque jour, c'est bloqué dans ce monde. Chaque jour, on a mouru. Chaque jour, on a abandonné à pour quitter Kayo, pour y vivre dans conditions ephraïmènes. Il y a pile de monde sous bras. Il y a même qu'à manger de la situation, mais qu'il y a des gens qui ont parti quoi. Des nous allons finir, ça c'est fini là. Mais sauf que, Gondo, c'est Québec actualité à toi. Quand des débats politiques, mais de ça Québec actualité, hein. Baldassar? Oui, bien qu'il ne pas pas faire trop de débats sur lui, parce que c'est journaliste, nous, nous sommes, nous ne pas dire, nous ne pas connaître et de ça. Mais. Là, nous, en Guinée. Et... Équatorial. Mais ça m'a dit moi-même, et ça m'a dit qu'il y a dérangé un pile nègre, un pile politicien en Haïti, et un pile nègre en Haïti. Un pile Baldassar dans la façon ça en Haïti. Un pile Baldassar dans la façon ça en Haïti.
et soit dans boîte l'état. Il y a grand pile Balthazar comme ça en Haïti, soit dans boîte l'état, ministère. Oui, ou bien dans entreprise privée yo, grand pile Balthazar comme ça en Haïti. Peut-être nous tout en peu capable voir vidéo histoire yo, peut-être pas besoin après faire détails sur ça yo encore non, mais l'aime dit grand pile Balthazar comme ça en Haïti, c'est parce que voulait montrer que et oui, dossier Balthazar là prend la rive vidéo tout bagage ça, mais grand pile nèg en Haïti tout si yo t'a al sur téléphone yo, yo t'a capable jouer dans pile image qui peut-être montrer que yo pas différent de ça qu'a privé. Mais encore tout mon cas dit tout m'pa le condamner juger quel que soit monde que le soit ta Balthazar soit toi soit mesdames yo, parce que pas là et pas moi faire par contre situation mais c'est passé 400 monde. Oui madame directeur madame ministre pour moi et ça fait et ça fait capeter avec KPM Konya pour l'autre dimension, puisque gen pile secteur, gen pile acteur, gen pile dirigeant politique, yo même qui continue à lever voyou dimanche, qui a lever voyou notre dossier qui gen pour avec bataille ça qui déclaré et bataille ça qui déclenché entre KPM avec KPM Gaïkouni. C'est vrai que et pas ça que un peu monde souhaité, c'est vrai que un peu monde souhaité ouais que deux têtes exécutives là que yo entend yo arranger yo pote résultat réponse avec sa paye qu'on est là, mais pour un pile moun observation yo yo wè que c'est on litige son bataille qui existait pour que ce poste ministériel cap bataille entre nèg yo sous question de révocation trois conseillers yo, et ça veut dire que peuple haïtien li perdi espoir et li dit que quel que soit le KPT, quel que soit le koni et quel que soit le koni pa gen rien sérieux que deux têtes ça a venir régler dans intérêt peuple haïtien. Et je dis nous capable garder clairement que gon véritable tolalito, vous imaginez que chaque vendredi, tenez bien, pour me répéter parole PM Gaïkouni et pour me répéter parole quelques conseillers non et conseil là. Chaque vendredi, yo toujours organisé conseil des ministres. Avait dit que ministre et puis conseiller président yo. Eh bien, presque 4 à 5 semaines là, pas jamais que ça relé au conseil des ministres. Raison à l'ICEP, et parce que ni capeté, ni koni, n'est que à couteau tiré. Parce que, gué ensemble des secteurs dans la vie nationale là, yo clairement dit gaye koni, puis gala chita avec et conseil yo, avec présence 3 conseillers qui nous cité dans le scandale corruption. Et gaye koni lui-même, que quittant de ça que secteur soit abdil, li clairement dit que, li pas pral chita avec, alors, on dit bien, que li mandé avec capeté, puis yo arrange je commets Jean-Jacques pour que yo dit un mot sous dossier 3 conseillers qui impliqué dans scandale corruption. Peuple haïtien n'a posé question qui côté bataille ça privé et qui côté que on dit ça qu'a fait là est-ce que l'a intérêt peuple haïtien ou est-ce que la vie plus mal pour nous dans condition la vie nous pendant que bandi continue à tuer mon Solino bandi continue à tuer mon Front National mon nasem après la rue mon tout côté après la rue parce que dit pas capable encore avec insécurité avec grand goût misère chômage que d'Haïti après la désivenesse. Mais c'est son modèle situation qui gagne dans le pays en Libye, gros quelque assez malgré un pile dans le monde qui a vécu là, vous pensez, les combats qui ont été faits avec l'expérience qu'il y a qu'on est là, avec le conseil présidentiel transition, qui aurait les KPTA, il y a 9 membres là-dedans, mêlé avec le gouvernement qui a dirigé, mais malheureusement, il semble que Mounio a perdu dans le mi-temps et l'an mai, parce que jusqu'à présent, si vous regardez la situation, volonté de mon côté, ensemble, Mounio, il n'est pas pratiquement manifesté. Malgré diverses rencontres à PC dont on fait pour garder et qui j'ai capté des situations avec le ministère économie et finance, lui aussi ta ministre touriste, chita ensemble, vous discutez, pour garder qui j'ai capté l'autre approche, surtout pour le secteur culturel là, et lui veut comprendre que promoteur gagne plus de valeur, mais je veux dire, qui côté, y'a pas arrangé pour faire visite sur tout ça qui est pour avec session culturelle. Là, un pays qui pratiquement a plongé, dit ensuite par rapport avec section économique, on n'a qu'à dire, et tout secteur économique pratiquement à genoux par rapport avec insécurité. Bah, et pas seulement secteur, et pas seulement secteur culturel, hein, c'est tout secteur net, je dis en désir. C'est tout secteur net qui a genou par rapport avec question insécurité, hein. Parce que imagine le grand ensemble d'artistes haïtiens qui est obligé de quitter Haïti, soit que réside au Canada, la France, ou bien la France, et ou bien États-Unis. Grand ensemble de groupes haïtiens qui est obligé de résider États-Unis, Canada, ou bien la France, à cause de question insécurité, à désir, t'as dit. Très bien. Situation qui est là, en pile fois, montrer les saisons de l'école, ils permettent que tu marches, ils permettent que tout le monde essaie de garder qui sont capables. Mais je dis, c'est courir que mon a couru, qui était ensemble espace dans le capital pays. C'est presque chaque jour que vous entendez, ils organisent droits humains, apporter des informations, des détails sur ce qui a passé en dedans pays et montrer que la situation est beaucoup plus grave au lieu qu'elle améliorer Blaise Peterson.
ministre éducation nationale d'Haïti. Nous voulons parler de Antoine Augustin, qui fait connaître que l'État octroie un pile kit scolaire pour année scolaire. C'est bilan qu'elle a fait, pour ça qui vient pour elle, avec question de réouverture des classes pour année académique 2024-2025. Selon données qu'elle publie, il fait quoi gagner 66 000 kits qui distribués dans divers départements à travers le pays. Elle garde le département de l'Ouest, le département de la Tibonite, Grand'Anse et le département de Centre. Elle dit chaque département ça recevoir 8 000 kits. C'est nous qui bénéficiait plus, qui bénéficiait 10 000 kits pour qui cap pratiquement permettre que Timounio au moins à recevoir plein de l'instruction. Li fait qu'on est ensemble matériel ça que elle distribue les personnes, c'est des matériels qui étaient là depuis sous Nesmi Maniga que li distribue là parce qu'elle était jeune ça là. Je dis hein, mais pas oublier, il y a des enveloppes qui allouées avec ça qui vient pour elle avec ministère éducation nationale ou bien ensemble ministère. S'il te vient ça là, eh bien il va gagner pour le bail détail sur ça qui concerne ensemble l'argent qu'elle gagne. Blaise bataille qui gagne tête exécutif, c'est toute une planification. C'est toute une planification entre communauté internationale là, avec Silao qui en Haïti, pour faire jet, piquer, coller, coller au brand, pas coller au brand. Est-ce que vous partez des gars qui dit, lui-même avec les six Voltaire, il y a des bonnes relations. Il y a pratiquement, et depuis longtemps, il y a qu'on échangé ensemble. Et je veux dire, qui ça permet? Pendant que chaque mon tête exécutif, il n'y a pas qu'à entendre pour chita parler, pour chercher à résoudre le problème qui est là. Pas oublier, tout pouvoir de transition, les personnes, les chita sous base, à fond, côté Mounsao, besoin d'instabilité pour faire plus de temps. Tu as parlé, dès le début, nous t'ai dit ça bon ici, nous t'ai dit Mounio, que ce conseil présidentiel de transition, c'est aux crises, en de crise, que le pays d'Haïti a connu là. Je dis, il y a des gens qui ont dit, bon, nous raison, mais ce n'est pas pour raison, nous n'avons pas bataille pour raison, nous avons bataille pour pays. Parce que ça qui a fait là, il n'y a pas lieu, pas qu'il y a un qui semble avec le pays qui a changé la situation. Blaise, citoyen, citoyenne, habitant, qui courent, qui te poursuivent. Après un mois, cinq jours, massacre poursuivent, ils ont foulé le béton dans la cité de Nissa-Issagé, dans la ville de Semak. Ils ont lancé un pile parole, puis mon bouc, contre le vice-délégué, l'arrondissement de Semak. Ils ont lancé un pile parole, puis mon bouc, contre magistrat. Semak, là, nous voulons parler de Myriam Fièvre. Ils ont dit ensemble, Mounsa, servi avec massacre qui fait poursuivent, puis ils ont fait gros l'argent. Je parlais de l'argent cash que tu as voué sous compte mon cash jusqu'à présent, je n'ai pas besoin. Je parlais de 800 000 plachots que PAM de Delta Bay. Eh bien, c'est 2500 personnes tout simplement qui touchent pas par la question ça. Nous sommes nerveux. Je lance plusieurs messages. Je vais en boucle devant le commissariat qui est dans le CEMAC, devant le parquet, devant le commissariat dans le Passoal. Et je vais finir dans le Carrefour pour sonder, pour demander aux autorités pour dégager, pour résoudre le problème de sécurité. Bandi, parce que Griffio l'ouvre coup de zam sous un convoi qui t'a sorti sous frontière, qui t'a traversé Moro Liankou, on se fait recevoir balle dans pour être al prendre soin qui cal nécessité dans l'hôpital d'Institution. Désolé pas qu'elle a ajouté que gagné ministre des affaires étrangères pays. Attendez mes amis. Attendez bien ça me dit en désir et décidé déjà dans émission que nous fait dans mi-temps journée hein. Et m'a seulement rappelé attendez ça ministre des affaires étrangères pays c'est demain nan dit. Et libère un gros soufflet Marassa avec un ministre des Affaires étrangères pays d'Haïtien, Madame Dominique Dupuy. C'est vrai, son madame, que un peu mon apprécié pour capacité, le reste est une belle tête en termes de capacité intellectuelle. Il y a vraiment un peu mon apprécié. Bien que, il y a de l'autre qui est que, et ce n'est pas un de sérieux qu'il a réglé, selon ça, un peu mon dit. N'a pas songé que, dans le jour de samedi 2 novembre, non? Les que gouvernement qui a été présence PM Gaïkouni, ministre Dominique Dupuy, porte-parole PM nan Jean-Jules Desaugustes, et puis ministre environnement, pour me citer ça seulement, mais et autorité locale, autorité municipale et de ses citoyens de jeunes, dans le communiqué SCOF, ils ont été décidés réunis pour que yo capable parler sous situation pays. Dans l'intervention de Mme Dupuy, n'a pas rappelé ça. L'été dit que l'est satisfait par rapport avec baisse en réduction dans la quantité haïtienne qui est irrégulière, qui est illégale aux États-Unis. Ah, pardon, c'est le même que l'État dominicain qui est dans la tête de Luis Abinadel, que lui-même
a déporté la Canonaïte. Ça veut dire que, pas oublier que l'autorité dominicaine nous a dit que chaque semaine, il y a déporté 10 000 haïtiens qui sont irréguliers, qui pas en règle. En pile voie télévée, l'État haïtien, en pile monde parlé sur le dossier ça. Et Luis Abinadel, avec l'État dominicain, il n'a pas campé sur déportation. Mais, moi dis bien, dans le jour de samedi 2 novembre, le ministre Dominique Dupuy, il était content. Il dit, il est content pour réduction dans la quantité haïtienne que l'État dominicain a déporté en Haïti. Et ça arrivait, prend comme décision de réduire la quantité haïtienne qui a déporté avec action que le gouvernement posait, l'État haïtien posait. Eh bien, est-ce qu'on est gagné Fadrid Raffoul, qui c'est une autorité dans le gouvernement dominicain, non? Il dit que l'idée menti de Dominique Dupuy, il dit qu'il va y comme ça. Il dit que déclaration de Dominique Dupuy a ses mentiliers. Cette histoire comme si l'État dominicain est réduit dans la quantité 10 000 haïtiens qui ont été déportés chaque semaine, non? Eh bien, il fait qu'on est que, sorti de 2 octobre pour arriver 5 novembre. T'es bien? Sorti 2 octobre pour arriver 7 novembre, sur un intervalle un mois, l'État dominicain déporté 60 961 migrants haïtiens. 60 961 migrants haïtiens. Elle dit, comprenez bien. Elle dit là, non, un mois, si on fait calcul là, elle dit, chaque semaine, vous avez déporté plus que 10 000 haïtiens. Là, marron côté madame du jeune chiffre ça lui-même. Alors, il va ben chiffre non mais côté jeune diminution haïtien cap déporté yo côté jeune donné ça yo. Est-ce que c'est à travers haïtien cap sorti dans frontière cap entrer yo en risque ou pas? Marronné. Est-ce que c'est Dieu dit que quantité haïtien cap entrer diminuer? Marronné. Mais autorité dominicaine yo démenti madame Dominique Dupuy. Qui là m'a dit tête moi. Est-ce que nous en a fait avec une équipe Ban Bluffer dans l'État? Parce que c'est clair. Parce que nous avons dit clairement que nous en a fait avec un ensemble de Bluffer dans l'État. Quel que soit le côté KPT, quel que soit le côté Kouni, avec deux membres du gouvernement. Là. Parce que je ne sais pas la fragile là. Pour que Mme Dupuy a fait mon croire que, eh bien, il a diminué pourtant. Mais une autorité dans le gouvernement dominicain a démenti. Et ma bon menti, m'blis capable quoi parole autorité dominicaine non parce que c'est lui qui a voulu aller. Et lui qui a voulu aller, et lui qui combien la voulu aller. Donc et lui m'ka plus ka quoi que autorité haïtienne non que madame Dupuy. Donc je dis hein, m'blis que en pile là nous comprendre, m'blis que en pile là nous comprendre que pour nous avec qui genre de monde que nous en a fait. Regardez avec qui genre de soi-disant monde que les autorités que nous en a fait dans pays d'Haïti. Quel que soit le KPT, parce que il y a trois bons dans le KPT qui ne sont pas fait rond pote. Connu même KPT que l'a goumé avec Leslie Voltaire. Leslie Voltaire dit, l'a fait émaniment. Il dit non, il faut évaluer les ministres, au moins, même en temps normal, il doit évaluer dans une période de 6 mois. Gary Connu exigé avec le KPT pour prononcer sur dossier sur dossier ça. Et en pile homme politique qui suivre. Et surtout, on est à coup, ancien PM Jean-Michel Lapin. Monsieur dit en sérieux, même l'État a des problèmes entre la primature avec la présidence. Mais il n'y a pas qu'à traiter problème l'État dans la rue. Il n'y a pas qu'à traiter problème l'État dans la rue. Parce que selon ancien PM Jean-Michel Lapin, il a vraiment critiqué comportement langagier. Que PM Gary Connu gagne, les que c'est en public pour le demander avec KPT pour le dire un mot dans le dossier, trois conseillers. Sinon, l'ITK réuni avec KPT, avec président KPT, et dit président, mais ça pour faire. Ou obligé de dire un mot. Alors, et pas mais ça pour faire, non, mais ou obligé de dire un mot. Ok? Ou obligé de dire un mot. Alors, ce que, et pas ça qui fait. Alors, ce que je dis, et pas ça qui fait. Blaise, bon bagage oublié. Salut, frère. Président KPT a pas 4 ans, frère. Parce qui est-ce qui cause, président, vient de côté lié à. Et dis-toi, Nexa, qui est impliqué. C'est toi corrompu. Je dis, nous trouvons une situation qui est très délicate. Pour nous sortir là-dedans, il y a besoin de caractère, il y a besoin de conscience.
Parce que 9 moun sa ou ki nan conseil présidentiel la, yo d'accord que yo se 9 volé, bless. Di pa 3 nèg yo seulement, non? Tout 9 moun yo d'accord, eh? Parce que yo di ou soit fréquenté, c'est lié. Ou d'accord qu'on est moun yo la corruption, ou si ta bon côté yo, ou ap fè réunion avec yo, ou ap décider avec yo, y ap mette signature même côté avec yo, ou pa l'autre bagay. Sinon, kanon même espace. Et yo te clair, tout moun sa ou ki nan conseil présidentiel transition. Yo te di yo tap tan, décision ILCC. Il te dit de contre corruption en pays d'Haïti. Les Voltaire te dit sa propre bouche pas le même. Les Voltaire te dit 22 jours avant rapport ULCC, il te dit et si yo jwenn moun sa et nek sa ou ta impliqué vraiment, il a décidé. Mais je dis à propos de politique. Ça passé. Il décide. Ça passé je dis. Ah bah il décide frère. Ah bah il décide vraiment. Parce que les jeunes ont avec trois nègres et puis ils vivent vini président. Alors, t'as toujours président, mais ils vivent pour la place, Smith Augustin. Hein? La situation, même parce que nous avons un pays qui trouvait une situation qui est extrêmement difficile. Parce qu'un cas sorti, oui, un cas sorti. Mais ils demandaient un grand sacrifice. Dans chaque secteur, dans chaque monde qui vivent dans le pays, chaque haïtien qui d'ailleurs ou bien dans pays a yo besoin qu'on est que yo doit consentir un sacrifice moun ki la pa reme pays a pi gros vérité youn nan représentant secteur qui gagne dans conseil présidentiel transition petite Dessalines Moïse salte dit gouvernement là li pa gouvernement peuple là malgré c'était a fait parler t'a parlé et doit comprendre que moun ki la pa diriger pour haïtien les personnes il a dirigé pour l'occident il a dirigé pour tête yo. Nous sommes très 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 prudents. Nous sommes méfiants avec le comportement qui vient là. Monsieur Moutren, qui a déplacé Pion. Pour date que vous dites qu'ils ont installé 7 membres du conseil électoral provisoire. L'idée est neuf. Côté l'autre des secteurs, ça ne peut pas ajouter. Ça ne peut pas venir avec elle. Qui a sa prétendue? Qui est-ce qui a fait le bouillon? Moi-même ou bien vous-même qui a fait le bouillon? Il y a passé le monde dans la bêtise. Il y a gagné au cas pour mettre le campé. OK? Il y a un organisme qui prend là. Pour contrôler l'action, gouvernement, pour contrôler l'action, la présidence. Je dis à vous que ça fait, vous passez la bêtise, vous oubliez, vous montez que c'est comme si vous avez un bagage qui est important. Vous parlez de KNS, Conseil de sécurité nationale, vous pas besoin de mettre le campé. Je dis à vous qui président du Conseil présidentiel de transition, c'est lui-même qui a choisi la sécurité. Qui est-ce qui a comme expertise dans la sécurité qui fait, c'est lui-même qui a pris chantier ça. Vous pensez que négocier dans notre Iboï, c'est une situation très difficile, que vous voulez qu'un pays a. C'est vrai, on est qui la valasse. S'il d'a le résoudre le problème de sécurité, il a résoudre lui. Parce que, nèg yo commencé avec ça dans le pays. Yo connaît moun yo. Mais moun yo te connaît, c'est pas au clan encore. Parce que majorité moun yo te connaît, yo getan moui, c'est l'élève qui fait. Mais c'est même outil yo. En pile dans outil yo, dans mes nèg yo. En pile dans stratégie que nèg yo a utilisé là. C'est stratégie nèg yo. Leslie Voltaire, gen un mois, je dis ya. Non tête concernant. Exactement, un mois. Si t'as essayé de te faire bilan, et 4 mois l'été, chaque nègre passé, nous avons dit, Edgar Leblanc fils passé, lui sale mentalon, lui vire col l'allé. Ok? Lui quitte une pratique pendant une situation difficile là pour contre nous. Lui quitte une situation compliquée pour contre nous. Il toujours a touché l'argent l'État. L'autre a vini, et dans le bagaille, si coup de bécagnoua, il a chaque fois un coup, il a fait l'argent, il a viré. Et puis ça fait pépé ici, il va continuer à abdominer la rue, il va continuer à pourrir par-ci par-là. Il a dit, nous besoin. Pour une dimension, nous besoin de caractère pour sauver l'honneur de la République. C'est soit nous arranger, nous shooter moun sa yo, qui dans Villa d'Akei, qui constitue tête comme président de la République, nous descendons dans la primature, nous shooter. Vous avez qui pour qui pas régler un pour pays. Nous ne sommes pas un qui a régler. Blaise, songez que nous parlons ici. Nous disons ce soir, nous faisons révolte, nous révoltons contre ça qui est implanté contre nous. Secteur privé comme Gadol, secteur privé, mafia qui là, ils sont confortables avec ça, il n'y a pas qui pièce contrôle. Mais que faire contre le bandit de douane, j'en voulais. Bon, exactement, parce que pas oublier que, un si de nek qui dans la classe politique là, yo c'est sûr, le c'est resté avec, et moun qui nan oligarque corrompuyant, Haïti là, yo c'est maître, yo c'est esclave, moun sa yo, et tout ça yo mandé, tout ça yo dit, yo fait appel. Je dis à moi, c'est qu'il faut nous comprendre situation, ça ronça les yeux. Deuxième, nous parlons en question de sécurité, hein, puisque gagne un ingénieur Wilbert Desommes, de Balatibonite, et monsieur dit des bagages qui me trouvé qui intéressant. Et moi, c'est un pile moun qui a suivi mission ça, en pile, on presque fait même réaction ça au tout. En pile, on presque fait même réflexion ça au tout. Dans la réflexion que l'ingénieur Wilbert Desommes fait, hein, sous dossier ça. Parce que, on imagine, on va d'accord avec un désir, que vraiment,
Est-ce que qu'est volonté pour question insécurité à résoudre, bien que moi la police dit que et dans journée qui était 6 ans, il était mené opération en force effort national, plusieurs bandits tombés. Bon, ça a dit bon, on connaît la police. Bon, moi j'ai prêté la police et m'apprend pendant que dans journée T5 à 6 ans, il dit que plusieurs bandits tombés, mais dans journée T7 là, m'apprend que bandi retourner aller dans force national dans Solino. Je fais des gars. C'est-à-dire, à chaque fois la police frappe, il y a même une réponse. Et malheureusement, pour bandits, il y a une réponse. C'est malheureusement, il y a une réponse. Donc, laisse ça. Il n'y a pas campé trop que cogne avec la police. Au lieu que c'est malheureusement, il y a comme si Grébos Kosuyo, vaut mieux que les la police là, les l'armée là, les missions là, qui ont goûté avec eux. Laisse ça, pas de problème moi-même, d'ici, c'est de moi-même. Tant que tu as dit, et chaque fois que la police essaie de checker, tant que j'ai un criminel notoire, et théoriste toujours dit, yo te ke gren lion, tant que j'en l'ambassade, comme dit, chaque fois on te ke bandi, c'est tant que gren lion, yo te ke. Exactement. Et en nommé avec ingénieur Wilbert Desormes, monsieur qui fait connaître que, ça gè la comme crise de sécurité, hein, l'État vraiment responsable. Dit ou Benson, et m'a dit tout auditeur, mon gè bal temps de nouvelles là, l'État n'en bluff. Parce que m'a pas d'accord, ni pour chef la police, ni premier ministre, toute autorité dans l'État pour y a dit que yo pa ka faire face à gang. Comme si gang nan gen plus entraînement passé la police, plus entraînement passé l'armée, plus entraînement passé étranger que nous gen dans pays. Yo gen plus zam passé étranger. Nous gen char blindé, gang nan pa gen blindé. Si gang gen blindé nan men non prenne. Donc comment l'État capable de faire dire que le pas gagoumer avec gang nan? Ça me pas comprendre ni. Vraiment pas et m'pa veut pas ici chercher comprendre ça, c'est que l'État pas vle. C'est pas possible. C'est ou contrôler pour ou ka di me charge ammunition même si tu gagne gros âme. Mais ou ta capable font gens ou baite ton délai pour empêcher munition pas venir pas arriver sous là. Tu empêcher munition pas arriver sur âme son bout de bâtonnier et me répéter plusieurs fois. Donc qui est stratégie que l'autorité haïtienne développée pour faire face carré. Depuis qu'il est route nationale occupée par les gangs, il y a une poste péage. Gang n'a tellement senti la l'aise sur dessus dans un canard, il a tellement senti à l'aise, il a tellement fait comme il a besoin de chita pour y jouer comme il a, il a pas fait péage encore, il a attaqué à caille. Il a attaqué et il a pris un commissariat cabaret, il a attaqué à caille parce que il dit c'est à caille avec cabaret qui empêche de prendre la Tibonite. Donc il a pas qui travaille qu'a fait là. Yo prend un département de l'Ouest qui c'est le plus gros département pays ya, et puis après deux yo besoin prendre deuxième département la Tibonite. C'est une grosse stratégie. Donc c'est AKR dans tête qui empêche yo pas arriver et c'est ça que fait me dit la Tibonite supposé aider AKR parce que pour AKR il prend la Tibonite. Donc dans ce sens ça on pense que nèg cap diriger l'État bay policier au moyen bay l'armée à moyen force étrangère et puis avec volonté. Il n'est pas possible, monsieur, de payer non pour ça. C'est un rôle pour nous protéger la population haïtienne. Non. Pas faire un monde quoi, c'est bluffer nous. Pas déjà qu'on dit bluffer nous. Mais au moins, font des bagailles. Font des bagailles. Pas venir dire que nous n'avons pas de moyens pour nous gang. Si nous disons que nous n'avons pas de gang, peuple haïtien continue de mentir. Ou bien, ils apprennent tout comme complices qui a comploté contre la population haïtienne pour nous faire des ordres. Mais qui s'en vient d'elle? Mais moi-même, je pense que. Nous avons des possibilités dans nous pour nous gommer, nous avons des moyens dans nous parce que nous sommes force légale. Il faut que nous dégagions pour au moins nous finir avec ça pour au moins la population haïtienne dans la souffre. Quelle que soit la réflexion de l'État sur la crise haïtienne, il y a des difficultés pour trouver une solution. Parce que à l'arrivée de nos niveaux, on va demander est-ce que son bagage est normal. On commence justement à questionner tête-moi est-ce que les gens haïtiens qui met des pays à côté de l'IA, est-ce que nous sommes haïtiens vrais? Parce que l'homme est conscience haïtienne, je pense qu'il y a une certaine sensibilité pour supposer gagner, même si vous avez gagné l'autre bras qui est dehors, qui vous faut faire ça, parce que c'est mon avant tout. Même bête là, les gens entendent, au Kounouel, les gens vivent vivre entre eux-mêmes. Le fait que nous sommes haïtiens, nous formons en communauté, je ne crois pas que nous-mêmes qui formons une communauté, nous devons travailler chaque jour pour nous craser. Donc là, il n'y a pas seulement un bagage de gangstérisation, de bandits, là, il est plus loin que ça. Donc réflexion obligée, plus poussée,
pendant que le monde qui dit autorité dans le pays a travaillé pour créer sécurité. Mais même les quotas fin résoudre un peu sécurité, tu as gagné moyen pour le monde circuler librement, mais il faut que les Haïtiens posent problème de l'haïtianisation. Pour nous connaître qui côté problème, est-ce que c'est dans l'esprit, est-ce que c'est dans la culture, est-ce que c'est un bagage normal pour les Haïtiens à vivre dans les conditions de vivre là? Est-ce que c'est normal pour nous ne pas progresser pour chaque année, chaque jour, mettre s'écraser, 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 jusqu'à ce que nous vivions un pays qui vient plus pauvre dans l'Amérique là et plus pauvre même dans les Caraïbes là, pendant que son pays est un passé glorieux. Donc est-ce que le normal? Donc là, je pense que faut que le monde réfléchisse sur ça et faut nous questionner le problème pour voir qui j'en ai apporté des solutions. Mais comment même quand il n'y a pas de gang cité soleil ou même gang solino, je sais que les gens ont pour des gens. Mais c'est là qui le problème. Je me dis même si on monte à pousseau pour abgoumer, mais comment on fait normal pour craser les zones qu'on rete? Exact. Parce que ou pas qu'à vivre pour tout. Là pour aider tout le monde, craser tout le monde. Mais tout le monde a crasé, ou bien petit frère, ou bien cousin, ou bien matin tout, ou bien femme ou la donne, ou bien petite porte qui vous gagne pour l'école, ou bien petite porte qui vous entraîne dans la société. Comment vous sentez pour lorsque petite porte paraît dans l'équipe de jeunes, même de temps pour vous, et puis vous avez pour écarté. Ce n'est pas normal. Même parce que vous toujours dit bandit n'a pas conscience. Même parce que depuis ce monde quand même, vous avez conscience qui demeure dans vous-même. Conscience qui fait mal là. Même conscience ça, vous avez converti en bien. Ce n'est pas possible, monsieur. Ce n'est pas possible. Si vous dites que son bataille est peine contre un système, mais l'autre, tuez propre monde qui est beaucoup de là. Contre qui système? Parce que le monde qui vit beaucoup de là, il y a le même problème avant. Il a subi le système dans tout. Si tu as un système, tu vois que c'est vers le monde qui crée le système ça, ou tu as fait, au moins tu as quelques monde qui sympathisent avant. Mais là, ça propre monde pour abouer. C'est pays qui a crasé. C'est rien qui a pris le pays à plus mal. Et c'est le système qui a pris j'arrête. Donc, je ne peux pas comprendre ça. Et je t'ai souhaité que au moins tu prennes un peu de conscience pour connaître que c'est haïtien. Malgré tout, c'est haïtien. Tu as besoin de monde pour vivre ou charger l'argent. D'ailleurs, nous faisons pile kidnapping. Nous faisons post-payage, nous avons des gens qui vont dans l'argent, nous faisons un paquet de bagages qui permettent de gagner un cop. Nous tellement gagner un cop, c'est comme le soleil. Si le cop est normal, si la société va fonctionner, tu as fonctionné à cop là, qui ça cop là utile ou lorsqu'on ne peut pas fonctionner vrai avec elle? Est-ce qu'on va garder cop là seulement parce qu'on va venir pour être tout le temps sous terre? On va mourir. Mais si on va mourir ou bien l'argent, il faut des moyens pour vivre avec. Ou pas qu'à vivre avec comme ça on pas qu'à blanchir, comme ça on pas qu'à mettre la banque, comme ça on pas qu'à faire. Les amis toujours acheté avec balle. Mais on achète les balle pour tuer le monde. Qui ça l'utile? Un peu de conscience. L'autorité haïtienne qui dévoile. Pour qui ça, ou obligé chaque matin à mettre rad sur vous, machine dans mon, klaxon, ou bien dans le bureau, ou faire qui ça? On prend un petit exemple là dans la ville de Saint-Marc. Des années. Nous n'avons jamais gagné un courant électrique. L'électricité va fonctionner. Moi-même, la question à poser des points. Est-ce que le bureau électrique là, il y a des gens qui viennent là-dedans? Le bureau d'électricité, c'est des gens qui viennent là-dedans? Qui ça vient faire? Quand nous sommes tellement habitués avec ça, pas bon. Nous tellement habitués avec vieux bagailles. Vieux bagailles, pas venir dire rien. Ou un monde fait manifestation encore pour l'électrique, pour l'électricité. L'accepté. Ou un monde fait manifestation l'accepté pour la vie meilleure dans le pays. Kounya son seul bagage qui occupe l'esprit c'est monde, insécurité. C'est ça qu'on m'a dit. Est-ce que pas bon plan justement pour mettre des pays à côté de l'IA pour avoir des préoccupations sur préoccupations et puis laisser ça qui préoccupant là, c'est la dénorité. Donc ça veut dire une société comme ça pas gagner progression qui fait pas donne. Donc on nous dit que l'autorité cap touche pour qui raison que nos pays pour qui raison est obligé à habiller, pour qui raison y a l'ambureau, y a l'ambureau pour faire qui ça? Premier ministre, conseil présidentiel, qui rôle yo? On nous prend chaque jour, on a perdu terrain. Les sous-jovenel, nous avons Matissan qui a commencé. Et c'est seul Matissan peut-être qui a créé problème. Tout le monde est libre. C'est au-dessus de là qui a un problème là-dedans. Jovenel, nous n'avons tellement pas pris. Jovenel, allez, nous venons Ariel. Bandit commence à prendre des zones. Ah, nous voulons aller, nous pensons que ça tape nos bagailles, nous perdons des zones. Port-au-Prince dit à plus de 85%, nous perdons des villes, nous perdons des zones métropolitaines. Non. Si, dans la zone métropolitaine, c'est là toute l'autorité été. À 85% de bandits occupés, 15% qui saluent les gens. Donc, est-ce que vous avez un orgueil comme chef, comme autorité, pour un côté pour bandits empêcher de parler? Jusqu'à présent,
nous avons fait 6 mois pour nous prêter ses mains, nous parler, nous courir quitter parler, nous pas prêter ses mains, nous avons l'autre côté, mais quand nous perdons parler, nous perdons champ de masse, nous perdons bicentaine longtemps, nous perdons un paquet de zones. Mais au moins, font réflexion à propre tête pas nous. L'État pas qu'à prendre défi dans le monde qui est illégal. L'État pas qu'à prendre défi dans mon paquet de bandits qui est un zame illégal. C'est l'État qui vient contrôler le port. Qui ça l'État fait pour empêcher les zames pas entrer, pour empêcher les munitions pas entrer? Ça veut dire qu'on a dit qu'on a une certaine complicité entre l'autorité et les bandits. Parce que si pas de complicité, l'État pas qu'à dire qu'il pas contrôler ça. Ou pas dire que c'est blanc, pas d'accord. C'est blanc qui doit pas faire. C'est blanc, pays blanc. Nous voyons qui ça fait aux États-Unis là. Moun yo dit c'est pays yo. Et yo prend responsabilité yo élu président que vous voulez. C'est pas président yo imposé yo, c'est ça vous voulez. Mais nous-mêmes, nous sommes le deuxième pays d'espoir après dans l'Amérique là qui prend l'indépendance après les États-Unis. Nous sommes le premier pays nègre qui consacre l'indépendance, qui goûte contre l'esclavage. Qui ça nous fait avec l'histoire pays là? Il n'est pas normal, monsieur. Un peu de conscience. Nous ne sommes pas capables encore. Il n'est pas possible pour un pays continuer à dégringoler comme ça. Député, élection États-Unis, d'où qui ça? Bon, élection États-Unis, dit que dans la vie, les hommes ont mené une bataille politique pour une volonté ferme. D'ailleurs, pour y aller, M. Lel fait paraître. Non, le système américain, il y a des gens qui sont dans Trump, il y a des gens qui sont dans mobilier, la famille Trump, mais soit ouais, monsieur son milliardaire qui vient encore. Mais sur le plan politique, il n'y a pas de problème. Et bien, il veut l'imposer, il dit le contre système, non, la case du système, non. Et quand on veut le comparer, il fait des bagages dans le système, non. Il y a des bagages que nous ne connaissons pas, donc il fait nous connaître. D'ailleurs, qui ça prend les bagages, il fait? Il ne paye pas taxes, il inculpe parce qu'il font un paquet de piles des ordres. Et puis il vient au moment où il impose elle-même au niveau de la justice. Parce que ça, monsieur, fait assez n'importe qui, il n'a pas arrêté de mettre en prison. Il va pas même gagner chance pour le candidat. Ça a vu montrer toute l'hypocrisie américaine qui a dit la prône démocratie, la prône de la justice à travers le pays, même la caille parle que la justice n'a pas fonctionné. Donc Trump arrive à aller dans l'élection, malgré tout le bagaille que dit de lui, eh bien, américain, ouais que c'est lui qui a redressé l'économie américaine. Non. Américain, ouais que. La fierté, la force, le courage, n'est-ce pas vrai? Et la domination américaine, je sentis plus ou moins que la fuite. Donc, je dis, il y a plein au monde qui a plus de fermeté, n'est-ce pas vrai, dans la parole, pour arriver à mettre et États-Unis sous côté ouvre là. Donc, pour Niam, c'est venu, c'est tout. États-Unis d'abord. États-Unis d'abord. Politique étrangère, ou à dire politique étrangère, ou une politique internationale, l'autre pays, yo. Bidou, ça pourquoi intéresser, ça qui intéresse, c'est les États-Unis d'abord. Donc c'est ça me parlait de l'égoïsme collectif. L'égoïsme collectif, c'est-à-dire, si on est capable de chercher n'importe qui côté pour le rendre les États-Unis fort. Et là, il n'y a pas tête la prendre fort. Donc il remet le pays, il travaille, malgré tout mauvais caractère, de mauvais comportement qu'il gagne contre Haïtien, contre moi, contre ceci, contre cela. Mais ça que les Américains acceptent dans lui, c'est que monsieur Kembe parole. Il y a des paroles, il y a des contre le système, et puis il est arrivé président des États-Unis. Et c'est ça pour nous prendre comme leçon, nous-mêmes qui avons fait politique en Haïti. Nous sommes obligés de faire une ligne. Nous sommes obligés de faire une ligne, il va déjouer la ligne, il est dans la ligne. Nous sommes obligés de faire une ligne pour faire politique. Donc, ligne soit le bon, soit le pas bon. Ça veut dire d'abord, il faut que vous fassiez la théorie, n'est-ce pas, de la ligne, et puis pour appliquer la théorie. Et c'est ça le fait, lui-même. Donc, moi, je pense que c'est un exemple pour les politiciens haïtiens pour ne pas vaciller leur bonne position, c'est pour qu'ils position. Et c'est dit, et président, donc, on grand leader là. Son grand leader, d'ailleurs, tout ça, le cas dans le système, il sort en côté, c'est lui fait non. Il fait non au point de vue politique. Parce que pas de monde qui est contre Trump. Je même connais que Trump est républicain, je ne connais pas des démocrates. Seulement lui-même, il paraît, il est entré dans le républicain, il fait monde marcher derrière. Si Trump n'a pas fait le monde mettre là, ou des autres Trump fait, qui s'arrête à faire pour remplacer? Ou elle met en position que le monde n'a pas remplacer? Hein? On est qui arrive à la justice, il y a plusieurs chefs d'accusation, il met en situation par arrêter, et le parti républicain n'a pas révoqué comme le monde qui représente les républicains. Au contraire, il fait monde marcher derrière jusqu'à ce qu'il arrive à gagner l'élection. Donc, son gros politicien. On me dit que c'est la question de la désir. Ah bon, c'est avec peuple haïtien. Pour me dire haïtien, pas mettre en tête que mon affaire pour nous. Il faut nous retirer l'esprit ça. L'esprit de la domination, n'est-ce pas, de la colonisation, dans l'esprit nous toujours. Il faut que nous retirer. Nous toujours penser que nous ne pouvons pas mettre, nous sommes esclaves, nous sommes mettre là-bas dans l'ordre. C'est mon noyé. Nous avons longtemps sorti dans l'esclavage physique.
mais mental nous toujours occupé. Goumen pour nous retirer, n'est-ce pas vrai, l'esclavage mental là. Goumen pour nous affranchir, n'est-ce pas vrai, mental non. Pour nous avoir l'autre mentalité, pour nous connaître nous pour faire pour pays non. Personne ne va faire rien. Faut qu'on reconnaisse que pays ça, c'est pays panonier. Faut nous entendre, n'est-ce pas vrai, sur des positions qui permettent de développer notre pays. Désir, et moi qui te font avancer, oui, sur ensemble de paroles. Ça me change, ancien député Wilbert Deshommes. Wilbert Deshommes, ancien député. Bon, député, ce paquet de belles causes là, on va pas nous mentir, en Haïti et puis à l'étranger tout. Je suis certain que, en grosso modo, Désir, ça, réaction pour la sur après déclaration de député. Ancien député Wilbert Deshommes, vous gardez la position, monsieur. Yon nationaliste qui démasque tout mensonge, tout bluff que l'État haïtien a bay, quel tenè qui dans capité, quel tenè qui dans gouvernement, quel tenè qui dans la police, tout nèg sou bluff. C'est ça que me comprenne, oui? Parce que, bon, si que ou du bral attaque yon, qui puisse passer là, matériel qu'on gagne yon, ou abdou qu'on manque yon, même yon pas gagne. Vous même qui dit ou c'est président. Après tant son l'autre président pour venir changer ça ou c'est président tout mais le président ça qu'après disposition pour changer la calia ou gagne opportunité en prendre pour changer la cao pas visible cette personne nous trouver dans situation bloc sous bloc bon côté toute autorité qui dans l'état c'est ça me comprendre dans déclaration de les hommes bon il clair parce que ça les par exemple tout en PM Gary Kouni a dit que et même pas pour la police gen là a parlé pour dire la police ça sous-estime et sous équipé et la police ça si la police sans ça la tibatata avec tout ça yo y a cherché de faux prétextes alors que je dis hein la police gen plus que une soixantaine blindés comme il a blindé ou quoi il a blindé ou quoi blindé mais la police a gen plus que une soixantaine blindés. Et la police a gagné de nouveaux matériels en termes de munitions et puis pour capable mener opération. Est-ce que tout assez journée a plein on seul bagaille, la police a sous-équipée, la police a manqué matériel, la police a manqué sida ou est? Monsieur m'dit à mon ami service communication la police. M'dit service communication PM nan. Campé avec promotion propagande, mais il y a fait toute la cette journée, tout regardez, n'importe TV viré, TV vidéo, la police est ici, la police est là, la police est ici, la police est là, alors que réalité a dévangé mon yo, le contraire. De 10 PM dans tout, ici dans l'émission, campé avec programme PDF photo, pas si pas là, campé avec album photo, avec album vidéo, la fait un. Parce que, ça va être là, hein? Parce que réalité a dévangé mon yo, avec PDF faire photo tout côté aller ou dans toilette ou faire photo ou manger faire photo ou marcher faire photo alors comme si ou pas mon l'impression que la vie a bagarre alors que dans même moment que ou même faire photo ça yo bandi a tué mon Solino bandi a tué mon Front National bandi a tué mon dans Semak bandi a tué mon dans Savien bandi a tué mon dans Gressier qu'il y a là ça va dire mon yo entre ça va vendre avec réalité à s'allier vous voyez mais qu'il rampé comme m'a regardé quelques jours là. Mbawe quelques photos dans album photo ben album vidéo ko ni mba ba toi monsieur fait ton bagage dans l'état ça parce que la propre sur capété à la cap mandé pour changer ministre et lui même ni capé d'ban ni pas dans question changer ministre ça yo il a dit capété à fuck you dit un mot dans dossier trois conseillers qui impliqué dans scandale corruption yo et Ramon Amil tout avec la police là après tu fin faire gros fly ou tu fait mais il fait plusieurs fly premier fly ou fait ou dit 104 bandi moi présenter quelques grains d'âme. Deuxièmement, il y a pédé diapro contre Solino et puis chaque fois bandi a fait coup de gars Solino. Il y a pédé présenté puis TV depuis le bagage et vous taille en c'est pas réglé. Et dernier fait que vous fait c'est les gon un zam et pas même en Haïti même non. Et puis présenté d'où ça c'est en Haïti. Et puis qui banque et les Kenyans qui banque le fait, il commence gras parce que chat caipé et puis a fait démagogie rentrer dans caille dans ça vient pendant ça vient non on va connait on dans ça bien dit ta fou paye vous comprenez a fait démagogie les gars ouais on comment on bail carbone il va payer la tête pas de bail c'est la fait et les gars les abnuti comment tu comprends non elle dit ça faut comprendre bagarre bien elle dit nous en affaire avec des bluffeurs ni dans capété ni dans coin tout côté net bluffeur envahi nous désir regarder là pour moi
Et heureusement Jean, heureusement ça gagne mon frère. Ça gagne heureusement Jean, ça passe papa. Moi heureusement pas là tu. Et c'est la dit tu même. La dit tu venir aider nous. Eh bien papa. Maman. On a des heureusement. Et heureusement ça passe même pas la même. Il y a combat Donald Trump haïtien prend la rue avec Jimmy avec Tony Mix fait tété a fait l'obeil alors que la caille pas yo crasé. Américains pas voter Donald Trump pour intérêt Haïti, pour intérêt haïtien que aux États-Unis. Si Haïti besoin monde pour voter, s'il besoin yon monde qui pour défendre intérêt, pour le retirer à la caille, pour garantir sécurité, pour mettre la paix, pour rétablir l'ordre, pour rétablir sécurité, nous avons seul choix. C'est venir mettre main pour une bataille pour sauver Haïti. Donald Trump, Obama te déporte plus que Donald Trump. Ok? Dans l'élection. C'est nous le pourquoi. C'est parce que les dirigeants américains ont transformé Tétio en dirigeant Haïti. Ça veut dire, politique américaine, ça fait nous prendre à cœur. C'est parce que toute situation que Haïti a connue là, question insécurité, non, je ne dis pas question seulement, ce n'est pas simplement une insécurité, mais je dis situation de destruction d'Haïti, lui dépend d'abord de politique américaine avec exercée en Haïti. Si c'est la politique, administration de programme qui met de côté de l'IA, c'est gestion qui met de côté de l'IA, si c'est prise de décision qui met de côté de l'IA, si nous faisons politique en monde responsable, nous devons tenir compte des monde qui venir et qui a gagné pour prendre charge pour remplacer Biden. Bon, moi-même, position, à plusieurs reprises, je souhaité un Donald Trump, le retour de Donald Trump. Des gens qui proposent hypocrite, ils ont dénoncé Donald Trump, le fait que Donald Trump te dit Haïti tourne en saleté. Mais pour moi, c'était pour fouetter orgueil. C'était pour fouetter orgueil. Les parents. Et heureusement, vous avez dérangé en désir là-dedans. Vous avez dérangé en pile, heureusement, Jean. Il dit vraiment dérangeant. Vous parlez pour Ousmane? Yeah, parce que vous avez dérangé en pile, heureusement, Jean. Et vous n'avez pas vraiment attendu ça, heureusement, Jean. Dit, peut-être nous excusez-nous auprès de Zamé Ternot. Vous comprenez? Mais vraiment, vous avez dérangé, nous obligé pas qu'à faire d'adil. J'avais d'attendre là, parce que nous devons attendre heureusement, Jean. Mais Nicolas, en grosso modo, heureusement, Jean est en montée, que l'exposition, c'est sous l'été pour retour de Donald Trump, qui donc, on a dit ça. Mais saluer l'élection et nous camper ferme ensemble avec vous dans la décision de déportation des migrants. Nous-mêmes, nous appuyons et nous demandons pour utiliser des mesures drastiques pour nous retourner la caillou. Haïtien n'a pas cherché un passeport. Ou à tout on a cherché un passeport. Mais l'identité haïtienne est menacée. Le pays est menacé. Mais donc, qui ça nous doit faire en tant que monde? Nous, tout le monde qui est l'autre bord, retourner dans le pays pour nous planifier, pour nous passer pays, pour nous libérer Haïti. Donc, vous favorez à une déportation massive. Vous favorez à une déportation massive, bon côté président du Bahreïn. Bien sûr. Donc, c'est ça la position de l'IHD. Mais... Nous demandons que pour Haïtien, tourner dans le pays, surtout les cadres DRH, professeurs d'école, tout le monde qui parti, venir pour nous chita, pour nous planifier le pays, pour nous retirer, pour nous bayon, pour nous capables de vivre le pays dans la dimension histoire. Et mais nous-mêmes, ça, c'est position nous. C'est ça que fait nous demander Donald Trump pour lui prendre des mesures drastiques pour permettre que tout migrant retourne à la caillou, tout migrant vini dans le pays pour chita, pour planifier le pays. Là, nous avons une nouvelle, ça, nous-mêmes, nous contents. Parce que nous avons Joe Biden. Qui déjà a mis tout monsieur mal intentionné dans le pays New York, les potes amis, la majorité des amis sont de Floride, pour être capable de créer un programme Biden pour prendre tout cerveau, tout cadre, tout intellectuel dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous-mêmes, en dehors de l'UHVN, nous dit Donald Trump, il faut qu'il applique des mesures fermes contre la politique migratoire, ça, et puis voyez nous tourner dans le pays pour nous capable de planifier le pays. Hein. Les Haïtiens conséquents qui viennent là, qui viennent une bataille contre CPT, qui viennent une bataille contre Gaïkoni, qui dirigeant le pays, qui dirigeant le gouvernement par tâtonnement,
et puis pour nous entrer dans l'intellectualisme, pour nous entrer dans des approches théoriques, pour nous entrer dans la dynamique de la pensée, pour nous développer Haïti dans toute dignité. Donc vous souhaitez, Donald Trump lui-même, lui appliquer politique migratoire qui se mette tout le monde qui n'est pas correct dans le pays, y compris Haïti. C'est pas le monde qui n'est pas correct. Le monde qui n'est pas légal, alors. C'est retirer tout le monde, tout migrant voyé dans le pays, pour venir chita, pour planifier le pays et puis pour être capable de joindre des pistes de solutions face à problèmes qui viennent dans le pays. Par exemple, mes amis, on nous prend un exemple très classique, très basique. Moi, c'est au Saint-Joseph. Si je suis la caïman qui m'habite, et si je quitte la caïman pour vivre la caïman en tant que voisin, ça n'a pas de sens. Si la caïman c'est là pour tomber, pour tomber sous moi, eh bien, je cherche un boss pour venir, je cherche un technicien pour venir pour porter solution. Haïti, c'est qui ça a gagné journée aujourd'hui? Haïti, c'est un problème des hommes de bonne volonté. Haïti, nous, qui revient à point ça, au-delà des hommes de bonne volonté, moi-même, je suis entré dans l'arène politique, je suis enseignant, je suis fait coup. L'homme qui a pays a plongé, je me dis, je vais venir aider dans la question et organisation de la cité, organisation du pays. L'homme entré, moi, je ne suis pas qu'un exode qui a fait politique en Haïti. Peuple haïtien, il faut me dire, nous, ça, bagarre dans les gens, ne qu'a fait politique, yo sort, yo pas aucun ancrage épistémologique. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée constructive, il n'y a pas qu'à développer le pays. C'est peut-être ça. Nous demandons pour nous faire une autre promotion. Il faut que nous prenions une nouvelle classe politique côté nous avons des jeunes qui formés, qui sont capables de jouer des pistes de solutions avec les problèmes. Et laisse ça, aucun haïtien ne peut résumer ville dans la partie. Dernièrement, la Brésil lancé ou tout. Mais nous connaissons un problème qui te fait en pile monde qui te paye à ces questions de sécurité. Mais vous demandez pour retourner et vous souhaitez pour Joe Biden pour retourner tout. Le problème n'a pas résolu. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour Donald Trump d'avoir et Mounsa retourner par rapport au problème qui te fait aller? Peuple haïtien, je dis à ma dis ça à tout cœur. Et ma dis ça, c'est parce que nous, même en université, nous réfléchissons déjà sur ça. Haïti n'a pas un problème de sécurité. Haïti, nous pas des terroristes dans le pays. Par exemple, si nous prenons Nigeria, son pays qui a Boko Haram. Boko Haram ne pas être dans l'école. Les fils de plus de 200 mouni. Est-ce que M. Ameyo, j'aimerais bien dans la dimension ça. M. Ameyo, c'est des mouni qui ont grand goût. C'est des jeunes qui pas gagnent, qui pas gagnent. Mais, il y a franchi limite la blaise. Il y a un ex qui vient de descendre pour son déroutouillé et plus qu'on centaine de monde. Allez, mon cher, qui est-ce que tu es? Je suis venu à M. Dieu parce que je voulais que M. Finbalé m'a venu sous-point ça, mon cher. Je Et puis, Zam l'a tombé dans mes yeux et puis il dit bon, mets ton bel maillot. Bon, mettez, bon, moulons belle machine. Et ça, qu'on a pour automatiquement, que aux jeunes, ils ont tombé faire photo, ils ont pour montrer nous. Donc, c'est cette histoire de terroriser nous, n'est que pour arriver dans la dimension ça. Donc, de ce fait, pas une sécurité en Haïti. C'est des politiciens malhonnêtes, des hommes de malhonnêtes, des criminels, mais des fatras politiciens qui utilisent les gens, un objectif pour mettre babouquette dans la bouche. Pour nous, nous pas manifester. Pour moun yo pa mande de l'eau, pour moun yo pa mande l'école, pour moun yo pa mande l'hôpital. Donc c'est ça, c'est comme ça yo utiliser nèg yo et puis de complicité avec Joe Biden, démocrate que nous là moi tout haïtien ça mande démocrate, c'est démocrate qui armé tout pays d'Haïti qui bloqué toute route nationale yo. Là dans la tonté là moun te ka voyager par ci par là. Donc c'est eux même qui mettent nous dans situation pareil et bien nous même en tant que haïtien, nous même en tant que haïtien qui comprennent l'axe géopolitique nous dit pays a pas de problème de sécurité, peuple haïtien rentre là avec nous, depuis nous déchouquer CPT, nous déchouquer Gaïkoni, nous mettons des haïtiens, et pas des apatrides, nous mettons des haïtiens qui ont fait des approches théoriques, et puis nous avons pays a un problème, zéro problème de sécurité. Donc selon même Ousmane, et si toutefois Donald Trump lui-même a déporté haïtien, on pense que le pays d'Haïti lui-même a une chance pour l'insécurité à résoudre. Non seulement le pays d'Haïti a une chance pour l'insécurité à résoudre, et tout notre problème va résoudre pour. Question fatra, question si moun baka l'école, question la manjaille. Parce que combien de gros noms nous gagnons qui vivent aux États-Unis? Non, c'est une enquête qui me démène. Moi, nous gagnons plus que 4 à 5 000 à gros noms qui vivent aux États-Unis. 4 à 5 000 à gros noms répartis sur 10 départements pays d'Haïti. Quand des gens m'ont pensé, d'après réfléchi. Mais on a dit, il n'a pas résolu le problème de question manger.
Nous avons plusieurs intellectuels, des sociologues, des psychologues, des professeurs d'école, des enseignants qui partent, qui vont agir. Depuis que nous avons cadré, le pays a relancé la question d'organisation, en termes d'organisation, en termes de structure. Parce que ce n'est pas des coquilles vides, c'est des gens qui maîtrisent des notions politiques, des gens qui ont des savoir-faire. Donc c'est eux-mêmes qui ont retourné là. Je l'ai dit, hein. Moi, nous ne pouvons pas jouer. Nous pensons que c'est paysan, c'est ça nous est les clochards ou ça nous est les cocoractios. C'est au parti. Non, mon cher, c'est des cadres qui partent. C'est des cadres qui ont retourné là. Cadres dans l'Elvini, la vie réfléchie. La vie réfléchie sur le problème. Et là, ça, je ne veux pas pour venir jouer Gary Conny, pour venir jouer Leslie Voltaire, qui a encouragé gang, qui a une répression comme modèle. Et puis, là, ça, après Haïti, de libérer et puis Haïti, de fonctionner. Mais quand on prend des votes, pourquoi ces migrants sont bien là-bas, etc. Bon, et j'en ai toujours dit nous-mêmes, nous faisons l'histoire. Nous comprenons que nous sommes dans l'esclavage, nous avons des esclaves qui étaient coachs. Donc, les mecs ont des frais pour partout, pour travailler, pour travailler travail en calo. Lorsque nous avons fait bataille d'indépendance, nous avons lancé la révolte générale le 22 août 1791, nous avons dit attention. Nous ne sommes pas d'accord avec Bagay, ça ne pas d'accord. Mais là, vous comprenez la dynamique de liberté, hein, vous tout est entré. Je dis, hein, Ousmane Joseph, une position, et position, son position qui réfléchit, qui calcule, qui planifie. Ou même qui est aux États-Unis, l'autre de maintenant de vous retourner, hein, n'était pas qu'à penser que je vais vivre bien. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas ça mon intention. Mon intention, c'est vivre bien en Haïti. Parce que l'autre vivre bien en Haïti, ou pas de pour paix, aucun nègre qui vient président, parce qu'il n'y a pas de gens qui vont le déporter. Ok, donc c'est la dynamique ça. C'est pas vivre bien États-Unis, c'est pas vivre bien ces domaines, c'est pas vivre bien la France, c'est vivre bien en Haïti. Et il y a une possibilité pour nous vivre bien en Haïti dans la mesure que nous sommes conscients que nous sommes des Haïtiens, que nous sommes seulement là pour nous vivre. Et c'est la dynamique ça que moi-même je risque. Bon, et Ousmane Joseph, professeur, moi-même je vais essayer de faire quelques points. Ousmane Joseph avancé là, quelques points que moi. Je suis d'accord avec elle, mais en même temps, tout, il y a l'autre point qui n'est pas d'accord avec elle. Et presque ce dernier parole, M. Dian, je suis d'accord avec elle pour me dire que le meilleur côté qui est capable à l'aise, c'est le lacayou. OK? Le meilleur côté qui est capable à l'aise vraiment, c'est le lacayou. Les que nous mettons pour nous gagner l'autre Haïti, laisse ça haïtien qui vivent en Haïti mais haïtien qui décide à vivre en Haïti yo il va gagner la paresse que pral gon président pral venir la déporter ouvri ça me d'accord avec monsieur par exemple si Haïti bon haïtien qu'en Haïti ou bien haïtien qui était payé longtemps qui décide tout en Haïti pas gon un président haïtien pral venir la déporter yo parce que déjà dans pays yo jusque là me d'accord avec Ousmane et professeur mais kounya ça que pour Ousmane, gagne Ousmane dit que moi-même petit Jean pas trop d'accord avec elle. Mandé pour tout le monde ça retourner en Haïti pour venir réfléchir pays pour venir goumer. On demandé Ousmane côté monde qui t'a goumer quand je venais lui. Est-ce que Ousmane songe bataille ou ensemble de mettre pays en élevé. N'a mandé côté Cop Petro Caribéen. Côté monde ça. Côté bataille ça. Par contre, j'ai un désir. Côté moun ça, côté bataille ça. Est-ce que bataille là li fin mené et nous joignent la Jepeto Caribéen ou bien nous j'ai une explication sur lui ou dis moi est-ce que groupe moun ça côté aujourd'hui en pile pas même en Haïti. En pile pas en Haïti et en pile c'est me dire tout. En pile c'est des moun qui ont été instrumentalisés. Yo t'a fait travail boss yo. Yo t'a fait travail des secteurs par yo. Mais vous n'avez pas fait travail pays vrai. Mais vous avez vendu un bagage comme quoi, y a sensibilisé le peuple haïtien pour demander contre Cop Petro Caribéen. Et c'est vrai, il faut demander contre Cop Petro Caribéen. Parce que comme ça, qui c'est 4 combien milliards de dollars, qui était là pour faire développement dans le pays, que les gens mangent là, c'est normal, il faut demander. Mais groupe qui était initié question ça, demandez côté groupe ça. Demandez côté yo. Demandez est-ce que vous avez des gens qui t'a financé yo. Kounya, en gade. Combien fois que nous enclenchons des batailles déjà en de pays, de groupe enclenchons des batailles en de pays, que bataille ça ou abouti, ou dis-moi est-ce que bataille ça ou gen une idéologie vraiment? Bien que ce n'est pas la même bataille et pas dans le même contexte.
Je dis à Mandé, côté groupe moun qui t'a dit que si nous pas voyer Jovenel Moïse aller dans Mouyo. Côté artiste qui chaque dimanche comme on connaît pas ton carnaval, mais chaque dimanche il organise un défilé DJ. Les Isolants, les Mathias, les Didio. Mathias pas Haïti encore. Non, ouais, vous connaissez c'est gros moraliste aux États-Unis mon cher. Gros moraliste là, gros moraliste. Oui. Je veux dire, elle n'a pas parlé de l'élection de Haïti, mon cher. Il faut la garder là tout. Dernier qui te dit, c'est Jovenel qui problème. Allez, Jovenel, allez. Je veux dire, pays a tout le bagaille. Il là, on peut dire, monsieur dit, pas qu'il est terroriste en Haïti. Mais par contre, comme professeur, je crois que monsieur connaît ça, elle est définie sur terroriste. Si ça n'est pas fait, là, on pas terroriste, ça l'est même. Hein, ça l'est. C'est pas des petits vicieux qui cherchent à manger. Même ça parle de Boko Haram. Eh bien, qui ça n'est pas ça Boko Haram et tout? Les nègres entre, par exemple, dans la Tibonite, dans Ponsonde, nègres tu es jusqu'à présent, pourquoi j'aime des chiffres exacts? Combien de nègres tu es dans Ponsonde, non? Jusqu'à présent, non? Les nègres mettent plus que 700 à 800 000 mouns dans la capitale haïtienne, dans deux yon. Par contre, comment on dit ça? Les nèg garant ke non kay li boulé li touyé li violé maman li violé petit li violé sè bon comment relé ça je dis à m'ap d'accord à chaque fois on a dit que c'est yo instrumentaliser nèg yo mais kounya ça nèg va faire là yo ki yo négocier mettre yo yo pa gen boss mbre discours ka pèdé dit que c'est travail boss yo a fait m'konnen oui mais je dis là nèg yo c'est mettre tête yo. Bien, l'aime dit yo se met tête, tu as dit. Yo toujours gè boss oui, mais gè des actionnaires qui va poser là et pas boss ak baou l'autre là. C'est pas boss ak baou l'autre là, c'est il a fait affaire. Imagine négocier là dans des Solino. Négocier là dans des Solino. Mais faut que la fin d'akone. Est-ce que problème là c'est boss un boss qui dit yo, faut que détu Solino ou dit mais c'est yo qui dit bon, faut que craser Solino. On pose une question. On est d'accord. Premier groupe Zam négocié gagnant, c'est Bayo et Bayoul. Mais Zam qui connait c'est Bayo Bayoul. Là dit Bayo Bayoul, dit c'est eux arrange cache les Zam. Ah, les là moi sans je mettais des nèg capé le Mario. L'idio c'est volé et bien ça les lui-même. Et bien l'idio grand la journée tout monde ouais. Les même équipe là moi sans joie pour un nèg, il mettait le coucher à terre utile. Ça ça y est. Les nègres ont détruit, comme si ils ont détruit un monde, un groupe monde, puis ils sont capables de montrer que ils ont fait serve, ils ont pris l'État, ils ont fait un l'argent, ils ont fait manger. L'argent, manger, c'est à côté de jeunes. Ils ont travaillé pour lui, et puis ils ont détruit. Par contre, vous comprenez? Par contre, vous comprenez? Vous avez dit que vous comprenez, et dit ça moi-même. Le problème, non, c'est l'idéologie, monsieur. Mais qui est des points là? Pas d'accord avec vous. Mandé pour déporter tout haïtien yo pour venir faire pays yo penser pays moi c'est oui c'est pas ta, ça et pas ta problème et pas ta problème mais comme ça m'a dit faut ta éliminer génération politique qui là classe politique qui là société civile qui là droits humains qui là ou les gars corrompus faut ta regarder ça honnête parce que si nous si yo déporté haïtien ça yal nan pe avec même moun présence même moun sa yo an pa jamais changer frère an pa jamais changer OK moi t'avance deuxième moi dans situation qui vient dans pays à Blaise moi chaque fois que m'a regardé ouais nous nan analyse nous nan compréhension nous wè l'autre haïtien li capable possible mais nan ça que m'a regardé la pa gen conscience. Ensemble, autorité perdit, ça ou gagne comme unité. Yo pa pou faire n'importe qui bagay, n'importe qui l'est, pour bosser, pour patrouiller, pour l'argent. Et au bon peuple qui accepte n'importe ça, yo joue n'importe ça que vous portez, bah, n'importe ça que vous offrez. Au bon peuple qui puisse prétendre que vous venez voler au secouyo, ou les arranger, pour chercher stabilité pour votre tête. OK? Professeur a dit un bagay blaise, et sous question problème de sécurité, yo pratiquement conduit nous tous dans une situation où on parle de insécurité, 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 insécurité. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir une page, vous ne pouvez pas ouvrir une news, vous ne pouvez pas parler de insécurité de la situation.
en Haïti. À partir de ça, que nèg yo tout continuer dans van corruption, dans faire toute qualité brigandage dans administration publique là. Moi-même moi crois que pendant la parler pour d'insécurité, je dis en bataille que nous devons mener contre corruption en dedans pays là, il doit venir en bataille réelle. Surtout l'en gagne trois conseils présidentiels qui décidaient à l'envol. Tout haïtien ou bien tout immigrant qui aux États-Unis d'Amérique t'a de déporté. Malheureusement, son professeur à l'université qui a parlé comme ça, il n'a pas évalué ça la dire. Est-ce que les États-Unis, pratiquement, a bien plus de bénéfices en déportation et immigrants ou bien ça fait plus de déficit? Bah, vraiment, quoi que bénéfice a plus bon pour les États-Unis, non? On connaît la grande pile maintenant, vers les États-Unis d'Amérique. Si tu as décidé un bon matin, tant que tout le monde comprenne, retirer tout immigrant. Bon parti qui apprécie. Parce que monsieur Mouton lycée, yon nationaliste. On est qui remet la caille. Parce que si là, il faut continuer à arrêter à vivre là. Mais c'est parce que lui-même, il sentit que ça a fait la pas faire le paix. Mais et moun, ça a fait la faire le paix. Qui retire tête pour protéger la vie ou protéger la vie famille. Comme si comme on t'a vle, on est tant koum, t'a arrêté campé de rivière, nan mi tan ek sa vie, kap déchire moun nan niveau ça. Comment on t'a vle ça? Mais même parce que réflexion yo, yo besoin plus bien cadré. Essayez regarder fait sociologique qui est là. Analysez bien. Parler de Boko Haram, eh ben nèg yo pas agir différent. Peut-être monsieur parler nèg Boko Haram aller l'école, yo touyer moun l'école. Mais nèg ça yo parle l'école, ou parler que nèg yo te rentrer l'église al kidnapper moun al fait qualité exaction. Ou parler de Boko Haram qui connait l'école qui a touyer moun. Nèg ça qui en est allé bon. Quel est-ce que tu es entré dans l'école ou bien l'église est détruite? N'est-ce que l'hôpital est détruit? L'hôpital est détruit? L'université est détruite? Bon, même loge, quel est-ce que tu es quoi? Tu es dans mystique, tu sais si tu es là? Ouais, même loge va épargner un banc ça. Et puis je dis pour abdire, tu n'es pas théoriste. Zach qui a posé là, qui a bali? Moi, je suis bien aimé que le professeur Ballon nous blesse. Merci à Pile, les Ivenes, merci avec. Est-ce que ensemble, ça, Donald Trump t'a dit, dans la campagne, il prend le café. Parce que l'on connaît les États-Unis pratiquement et son grand pays qui fait ensemble de développement et avancement avec base migrants. Les on est le président, soit ensemble déclaration, il y a à l'encontre des migrants, et bien il prend pratiquement déclarer hostilité pour que les États-Unis capable de gagner des problèmes de situation. Des événements, les SEM dit que après élection, après réélu, nous disons comme ça, et Donald Trump, là, qui a pile autorité, chef d'État, à travers le monde qui a déjà commencé à réagir, gagné un président français Emmanuel Macron, qui félicitait Donald Trump, et l'idil souhaitait espérer que il pourra le travail dans tout ça, les respect et permettre que la France et États-Unis, eh bien, développer de très bons rapports, de très bonnes relations, et par rapport avec ça, gagné, genre, en jeu politique, géopolitiquement dans lié. Et même et président Capet Alistair Voltaire qui les même tout et qui félicitait et Donald Trump et il souhaitait que nouvelle administration États-Unis et pral vraiment développer de très bonnes relations avec Haïti et ça qui pral porter sérénité, sécurité, la paix en Haïti. Ça veut dire que des CVDS réaction sortie qui bon pas bon et à travers le monde après réélu et Donald Trump comme 47e président États-Unis et dans élection qui est faite mardi 5 novembre 2024 là. Et là que désir et pas seulement et on dit pour poste président des républicains gagné non même au niveau des Sénat Congrès américain républicain remporter la main parce que il y a en pile siège en dedans et Sénat ça n'est le Congrès américain. Elle dit là encore elle dit républicain fait un raz-de-marée dans élection 5 novembre 2024 yo. Désir moi c'est que moi avec vous comme deux haïtiens et de jeunes directeurs d'opinion et cap suivre et en dit réalité États-Unis et en même temps tout qui mettait un pile focus sur ça qui a passé la caille nous parce que nous croyons que la caille nous pour nous-mêmes l'état est priorité nous mais comme je dis avec réélection de Donald Trump réélu Donald Trump notre tête États-Unis moi veux que en pile mon cap garder émission ça dans un moment et comprendre ça nous dit là. Et nous allons faire des analyses sans et sentiment. Pas parce que nous sommes haïtiens et pas parce que tout, que nous sommes entrés dans les affaires élections aux États-Unis. Non. D'ailleurs,
Et c'est, pas oublié, en 2020, les que Trump a l'élection face avec Joe Biden, eh bien, Trump, il était perdu l'élection. Joe Biden a fait 306 grands électeurs qu'il a gagné. Et Donald Trump a gagné 232 grands électeurs. Parce que, pas oublié que, il y a 638 grands électeurs. Et ensemble de États, ils ont départagé avec quantité électeurs qui gagnent. Bon, histoire électeur, bon, c'est ça qui a toute une émission pour que nous fassions mieux comprendre et question grand électeur aux États-Unis. Parce que, bon, nous allons comprendre bien. Et Kamala Tegen doit faire plus quantité voix par rapport avec quantité monde qui est déplacé à voter. Vous avez bien ça me dit? Kamala Tegen doit. C'est une question démocratique là. Et élection démocratique là côté peuple en sortie pour aller voter. Exactement, attendez bien. Dans élection démocratique comme si c'est peuple qui sortit à voter, Kamala Tegen doit faire plus voix que Donald Trump. Mais bon histoire de grand électeur parce que pas oublier, États-Unis c'est grand électeur qui met comme si qui bail président. C'est grand électeur qui bail président. Et pas oublier la question grand électeur là. Non, pour arriver, alors c'est 638 grands électeurs, mais moun qui arrive 270 avant, normalement, eh bien, il y a une élection. Il dit là, puisque Donald Trump déjà arrivé 277 et Kamala 224, et malgré sa désir, ensemble de l'autre État qui va quand même contrôler, qui va faire contrôler, non? Et l'organe des États Sayo, ou est-ce que yon en faveur Donald Trump? Et si yon te même contrôle l'État Sayo, ou t'as jeune que Donald Trump t'as gagné Kamala avec n'importe 300 combien grands électeurs. Kounya sa bon gopren. On dit que même les Kamala te gagné plus moun qui t'a voté. Bagala pral chita nan question grand électeur. C'est grand électeur bagala pral chita. C'est là pour gopren. Et je dis, hein, mais ça m'le ken comprenne. Et ça m'a dit très fort. Quel que soit Kamala qui est bon, et Kounia, comme Kounia, c'est Trump qui est bon, c'est États-Unis d'abord li pour vous. C'est États-Unis li d'abord pour vous. C'est vrai que yo chaque, yo te gen un politique générale qui yo te gen. Yo chaque, yo te gen sanrele des thématiques qui ont été traitées dans la campagne électorale. Mais je dis là, même le temps de Kamala pas bon, mais l'histoire était américaine. L'histoire était comme première femme qui vini, présidente et alors vice-présidente États-Unis. Comment ça me dit, hein? Et ceci dit, même les que Donald Trump a passé toutes 4 ans là, les pas travaillé avec vous, comme si comme démocrate. Mais Kamala qui a toujours retourné dans la course électorale là, après 4 ans de Donald Trump là, comme candidat à la présidence. Là, il dit que c'est América d'abord. C'est América d'abord. Je dis c'est les États-Unis qui gagnent. Vous voulez ça? C'est les États-Unis qui gagnent. Parce que j'aimerais en plus le monde et comprendre l'élection des États-Unis comme si. Et non. Parce que yo même yo dit clairement, Trump dit la fait pays. C'est États-Unis besoin de mettre capé. Et pas oublier que États-Unis, c'est première puissance économique et militaire. États-Unis, c'est première puissance économique et militaire. Et pas oublier, question économie, l'important. Question économie en sous-discussion, parce que la Chine pratiquement a avancé. Bon, oui. Tu as fait quoi avec la puissance militaire là, les États-Unis, mais quand tu as puissance économique là, depuis un bon moment. Gédé Bassouli. Exactement. Gédé Bassouli, nous d'accord. Mais Kounia l'a pas oublié. Avec Donald Trump, la pralmette, il va prendre en pile disposition pour que les États-Unis reprennent les questions et puissance économique là. Parce que pas oublier. Bon, mais pas une bataille, pas une bataille, sur bataille. Il va une bataille économique, frère. Parce que tu as le désir. Ça pour nous connaître. Mais avant avancer, ça pour nous connaître. Donald Trump, monsieur, c'est un homme d'affaires. Donald Trump, monsieur, pas politicien. Monsieur, pas un politologue. Ouais, politologue, c'est là étudier science là. Mais il y a le politologue. Politicien, c'est son fait dans la pratique. Et Donald Trump pas ni politologue, ni politicien. Donald Trump c'est un homme d'affaires. Et qui
profiter de ça n'est les jeudi hein, de une réalité qui a changé dans le monde et qui a changé aux États-Unis. Et ben il faut filer l'école et l'hypothèse discours, attendez bien. L'hypothèse discours américain conservateur yo, l'hypothèse discours américain qui blé que américain toujours été en les tête là et li rive gagner confiance yo, li rive gagner cœur yo et li te fait en 2016, li vinn perdre en 2020, et là li reprend sou, li reprend cœur encore, li retourner gagner encore et ça veut dire m'a dit que rive Donald Trump dans la Maison Blanche le 20 janvier 2020, eh bien, tout de suite, comme si l'Ipral remette l'économie États-Unis en lettre la Chine, non, mais l'Ipral prend des dispositions, l'Ipral prend des mesures pour le rebaix j'arrête pendant 4 années là avec Anzi économie États-Unis et ou qu'a saisi, ouais, soit que yon vin à égalité, le même niveau, ou si moi, est-ce que l'Ipral monte en lettre la Chine, parce que pas oublier, relation économique, très bien. Relation économique États-Unis et la Chine pendant 4 années mandat Donald Trump là, les pas douce. Les pas douce. Peut-être pour États-Unis avec Américains ou bien moun qui reste immigrant qui en États-Unis, baron commence à parler pour yo, mais sur le plan économique mondial, relation États-Unis avec la Chine, les pral un petit libéral vraiment grand pile litige la donne. Et pas oublier désir. Dans la question immigration et qui c'est une grosse thématique que Donald Trump lui-même qu'il était traité pendant campagne et Kamala Harris et Donald Trump rivé gain bataille ça sur Kamala Harris parce que pas oublier que yo gardé pour yo les que Donald Trump était président en 2016 pour 2020 t'es que moins immigrants qui étaient rentrés aux États-Unis et pas oublier américain conservateur yo Américain qui croit c'est Américain d'abord là. Yo comprend que immigrant vinn prend place, immigrant vinn prend travail yo. Je dis en désir. Et question immigration ça, li pral de notre pral c'est un point parce que pas oublier. Ça c'est un plus gros thématique que Donald Trump après question économie, question immigration, hein, li c'est deuxième plus gros point que thématique que Donald Trump traité et rivé remporté sous démocratie. Et les avances ces chiffres, hein? C'est un point focal. Exactement. Et les avances ces chiffres, les avances données, yo, li montre pas A plus B que immigrants yo katre pendant période démocratie en États-Unis, hein, li pas fait bien du tout avec États-Unis. Li gade question CBP on frontière Mexique, li gade programme humanitaire, et li gade tant de l'autre immigrant de l'autre nation qui déjà États-Unis qui entre illégal aux États-Unis. Et m'a gardé désir gain un américain noir me dit parce que on black américaine pour me comprendre bien qui dans juin 17 novembre là l'ital voté et li clairement li dit qu'elle vote Trump raison simple pour ça li dit li pas normal pour la garder des de américain pareil li qui je dis y a pas faire qui pas travail cap dormir dans la rue et qui pas qu'a jeune aucun appui et l'état alors que moun ki vini qui c'est immigrant yo vin comme si yo suis ensemble des privilèges l'état ba comme si bagage assurance santé l'état ba ensemble de bagage lorsque vraiment petit terre yo pas bénéficier bagage ça yo qui donc li dit pas normal et ben ça c'est une raison qui fait que lui-même li voter Donald Trump a dire américain voter Donald